Est-ce que tout le monde va bien dans le chat? Ouah, je pense que ce soir, je pense que le live de ce soir, on va avoir une commu très animée, euh, très, euh, très, euh, pas comme d'habitude. Là, les gars, qui regardent des animés dans le chat? Déjà, on va commencer par là. Qui regardent des animés dans le chat? Est-ce que tout le monde va bien? Est-ce que vous avez tous passé euh, une bonne journée? <laughs> Merci beaucoup à tous ceux qui sont là. Euh, merci à tous ceux qui mettent déjà le pouce bleu, qui s'abonnent, qui mettent la cloche Ça fait plaisir, ça fait plaisir Aujourd'hui, live euh, autour des animés J'avais envie de le faire, ce petit live euh, tier list One Piece Parce qu'il y en a beaucoup qui m'ont demandé de le faire Et ça change un peu, euh, j'avais envie de parler avec vous de One Piece et tout ce soir euh, J'avais pas forcément envie de jouer et tout Ce soir, petit live détente euh, sur euh, internet tier list Peut-être qu'on fera une autre tier list après, avec une tier list euh, d'un autre truc euh, On peut trouver plein de tier à faire En tout cas... J'étais chaud de commencer par une tier list One Piece. Euh, je pense qu'il y a pas. Ah ouais, il y a beaucoup qui regardent des animés. Est-ce que dans le chat tout le monde euh, a, a regardé One Piece Merci Enfino Game, merci euh, mon ref pour ta donate. Euh, je ne lirai pas les spoils Moi, je suis à jour dans les scans. Vous n'arriverez pas à me spoiler. Vous pouvez dire ce que vous voulez, vous pouvez pas me spoiler. Maintenant, j'aimerais qu'on respecte tout le monde. Euh, à partir de maintenant, je veux vous donner le serment dans le chat qui qu on, on, on spoil pas. Euh, ce qui se passe dans One Piece, euh, les gars, s'il vous plaît respectez euh, l'œuvre, respectez, euh, respectez les gens qui n'ont pas vu, qui n'ont pas vu ce chef-d'œuvre. Respectez les gens qui n'ont pas vu le chef-d'œuvre et qui vont apprendre sur le fait accompli euh, les news. Euh, voilà, le spoil c'est horrible. Donc s'il vous plaît le chat, mettez tous la main en l'air. Vous dites, je jure de ne pas spoil Dans ce live, dans le chat, je compte sur vous euh, Soyez respectueux tous envers vous Dans toute la communauté, sinon bah Les, les modos ils feront le taf mais c'est un peu chiant De voir faire, faire l'armée euh, dire Ouais arrête de spoil hein, je compte sur vous Les gars, aujourd'hui on va parler un peu de One Piece On va parler un peu euh, des persos de One Piece On va faire une tier list One Piece euh, Merci beaucoup euh, Navjix Pour ta donate, merci Loubafritz Est-ce euh, que déjà vous êtes content que je fasse ce live Est-ce que... Voilà parce qu'il y en a je me dis c'est sur ma chaîne Il euh, y en a qui regardent pas trop les animés peut-être c'est un hein. j'espère que ça vous dérange pas euh, J'essaye de voilà de d'aller de, de, voir un peu tout le monde de, 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 Que ça plaise un peu à tout le monde Que ça change un peu d'habitude les lives Est-ce que ça vous va Petit live tier list sur One Piece Ça vous fait plaisir Merci beaucoup Lorient pour ta donnée. Merci beaucoup euh, mon ref Merci en tout cas à tous ceux qui ont donné euh, leur, euh, leur main en l'air pour, euh, pour, euh, pour pas spoil Moi je le dis Je vais peut-être en parlant de certains persos Spoil Donc euh, Il est possible que je spoil certains trucs Maintenant on va faire attention de pas trop en dire Maintenant c'est risqué C'est risqué parce que à tout moment on va peut-être dire des petits spoils sur certains persos euh, Quand il y a un perso que vous connaissez pas Coupez le live Voilà je mets un warning Quand il y a un perso que vous connaissez pas euh, machin Coupez le live pendant le son pendant deux secondes Et après remettez je, 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 ferai des. Avant de dire une connerie ou un truc, je ferai des. Attention, spoil, comme ça. Je, ça permet à ceux qui, qui, qui n'ont pas vu certains éléments de pas se faire niquer. Ok, le chat, est-ce que c'est pas mal comme ça Je, je dis attention spoil avant de dire un truc euh, qui peut vous niquer pour ceux qui n'ont pas vu. Ok. En tout cas, merci à tous ceux qui sont là, qui s'abonnent, qui mettent la cloche, le pouce bleu. Il y aura sûrement la rodif demain sur la chaîne secondaire euh, les BG. Mais je vais essayer en tout cas de pas trop spoil. C'est sûr qu'il y a des trucs que je vais parler. Dans l'anime euh, bah voilà, enfin les regarder et tout, mais en tout cas sur ce qui se passe dans les scans, je, je dirais rien. Voilà, je dirais rien de ce qui se passe dans les scans. Les gars, j'ai rattrapé tous les scans. Je, je, je vous conseille tous ceux qui regardent L'anime One Piece. Maintenant, je vous conseille de lire les scans. N'attendez pas euh, 10 ans euh, pour euh, voir la suite de Wano et tout. Euh, les gars, commencez à rattraper les scans dès maintenant parce que on arrive sur les moments importants et tout, et c'est sûr qu'il y en a un qui va se faire spoil. À un moment ou jamais euh, Dans deux semaines, trois semaines Il y a peut-être un TikTok qui va passer Vous allez vous faire spoil Je vous conseille de, de lire les scans euh, En plus c'est lourd Des fois ils sont en, en coloré et tout Alors déjà j'ai une question dans le chat Pour ceux qui lisent les scans Vous en pensez quoi Moi je vous le dis honnêtement Mon avis sur les scans De One Piece Je trouve les scans Je trouve que les scans sont mieux que l'animé En termes de dynamisme Genre les, ça va plus vite On comprend plus vite Tout, tout d'un coup L'animé est incroyable Mais juste L'histoire, euh, vas-y, ça va pas par carte-chemin, ça va vite. Par contre, dis moi si vous êtes du même avec moi, je trouve qu'on comprend rien. En noir et blanc, j'arrive pas à comprendre les fights. C'est illisible. Après, peut-être, c'est moi, hein, mais je trouve que les scans de One Piece, euh, en noir et blanc, c'est illisible. Voilà, je... quand je les regarde en, en coloré, les scans, c'est bon, euh, j'arrive à comprendre, mais en noir et blanc, illisible. Il y a certaines scènes, j'arrive pas à lire. Donc soit c'est moi, je suis une merde, soit vous êtes d'accord avec moi. Euh, je trouve qu'il y en a certains skins en scan en noir et blanc, c'est illisible, c'est un, euh, tu comprends pas les certaines scènes. T'abuses, non t'as raison, euh, oui t'abuses, c'est normal, c'est réel, j'ai juré. Non je vous jure les gars, moi je trouve qu'en noir et blanc, j'arrive à rien. Des fois je comprends rien. Après pas tout le temps, hein, mais des fois je comprends rien. Par contre en couleur, euh, ça va, j'arrive à comprendre. Tu n'es pas habitué. Après ouais c'est vrai que je suis pas habitué. Je préfère les planches en noir et blanc. Moi je préfère les planches colorées en vrai. Après c'est pas les vraies planches. Normalement les vraies planches sont pas colorées. Mais euh, voilà je m'en fous moi. Euh, je dis ce que je pense. Je je je, je trouve que euh, noir et blanc des fois on comprend pas les 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 combats et tout. Après peut-être que c'est que moi. Après chacun ses avis. Chacun ses avis. Chacun ses avis. Euh, me tapez pas dessus. <laughs> Alors les gars pour la tiglisse. Merci Eli pour ton sub. Enfin on parle concret continue comme ça. Merci Chance. Merci Tadé. Avant de commencer live, je tiens à dire One Piece est le meilleur euh, manga euh, de notre génération. Voilà, comme ça au moins c'est bon. On peut on peut continuer. Non je rigole. On va pas faire le débat Naruto One Piece. Non. Pour moi, vous le savez, j'étais team Naruto avant. Regarde, j'ai encore mes statues parce que j'adore Naruto. J'ai la statue de Sasuke là-bas. J'ai là, euh, j'ai j'ai toutes les statues. Maintenant, voilà, j'ai adoré Naruto. J'ai kiffé sa mère. Maintenant, voilà, j'ai commencé One Piece. Et il faut être honnête. J'ai préféré One Piece que Naruto. Mec, parce que c'est incroyable. En fait, c'est incroyable. Maintenant, je n'ai rien contre ceux qui préfèrent Naruto à One Piece. Les gars, je... Pas de combat. Les deux animés sont incroyables. Mais pour ma part, je préfère One Piece. Euh... Voilà, on en parlera pendant le live. Mais je préfère One Piece. Après, n'en parlons pas. Je mets Dragon Ball dans une case à part. Parce que c'est le papa de tous les animés. Dragon Ball, Goku, c'est le, 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 le patron. C'est Goku est le patron. Mais en vrai... Euh, Naruto, le personnage principal de Naruto, et euh, eh bah ben, je préfère 100 fois Luffy que Naruto. Genre, Naruto dans Naruto, je regardais pas Naruto pour Naruto. Je regardais Naruto pour euh, euh, Jiraya, pour euh, Sasuke, Itachi, euh, pour Kakashi et tout. Mais le perso principal de Naruto, il était cool, mais je me suis pas attaché à Naruto comme je me suis attaché à Luffy, tu vois. Voilà. Mais après, les gars, je ne crache pas sur Naruto. J'adore Naruto. Naruto est un chef d'oeuvre C'est incroyable. Mais c'est juste que, euh, après avoir regardé One Piece, euh, c'est incroyable. Et euh, avant, je disais que One Piece était le pire animé du monde. Hein. Je l'ai dit. Hein. J'ai dit que One Piece, euh, c'était de la merde. Mais j'ai regardé et j'ai kiffé, tu vois. Après, ch chacun son avis, les gars. Mais. <laughs> SNK meilleur que One Piece, supérieur à DBZ, supérieur à Naruto. De toute façon, les gars, on s'en fout. On s'en fout de dire. Euh, Ouais ça c'est mieux Chacun son avis Si un mec préfère Hunter x Hunter à One Piece euh, Chacun a le droit D'aimer ce qu'il veut euh, Maintenant euh, Voilà Place à Est-ce que vous êtes prêts Pour la tier list Est-ce que le chat est prêt taper 1 dans le chat Si vous êtes prêts Je veux juste pas Qu'il y ait des débats Naruto One Piece On s'en bat les couilles On s'en bat les steaks Les deux sont incroyables Tous les Tout est incroyable Faut juste pas euh, chercher à qui est le meilleur s'il y a des gens qui préfèrent d'autres trucs ça sert à rien de dire qui est le meilleur merci PGI merci mon ref ça fait plaisir chacun a ses pour chacun a ses contre euh, après moi les gars euh, je regarde je regarde pas One Piece depuis longtemps donc il se peut que des fois euh, je dise des conneries et tout ça fait un an que je regarde et j'ai regardé tellement vite qu'il y a des petits trucs des fois je me rappelle plus donc c'est pour ça que je compte sur vous pour m'éclairer et tout et euh, voilà ok bon bah c'est parti on va commencer les BG je me mets sur PC de jeu c'est parti ok donc déjà on va commencer à faire bien les catégories. <coughs> on va commencer à faire les catégories. Est-ce que déjà goth on la laisse? Goth c'est une bonne catégorie. Est-ce que la catégorie goth on la laisse? <shrouf> Merci PG euh, mon gars. Non il y a des fois il y a des prénoms de de perso je vais les oublier sûrement. Il y a sûrement des euh, des persos de, des noms de perso que je vais oublier les gars donc euh, voilà n'hésitez pas à me dire parce que des fois euh, je lis et tout mais Ouais, des fois j'oublie les noms des persos, frère, ça arrive. <laughs> Merci Louor tu ou tes scans. Euh, je sais pas si j'ai le droit de le dire parce que euh, je sais pas si c'est légal ou pas de regarder les scans. Bref, je sais pas trop. Merci PGI, tu trouves comment la nouvelle Merci beaucoup PGI, je ne spoile pas, je spoile pas, je spoile pas. En tout cas, je dis juste que j'ai kiffé les derniers scans. Oui, ok, la gote on la laisse. Euh, la deuxième, incroyable, on la laisse ou pas Incroyable, on laisse. Euh, Dites-moi ce que je rajoute en colonne ou ce que j'enlève. Est-ce que toutes les colonnes sont bonnes Ouais, c'est bien comme ça. Est-ce que là, c'est parfait, les, les colonnes. Mais Masterclass. Au milieu de... Incroyable, je mets Masterclass. Vas-y, je mets Masterclass. Masterclass. Cool de ouf. Bof, nul. Je connais pas. Euh, fils de pute. <laughs> Logiquement, je suis censé tout connaître comme j'ai regardé tout One Piece. Logiquement, je suis censé tout connaître. Mais il y a certains persos, les gars, que j'ai pas... Euh j'ai pas autant d'affection que d'autres. Du coup, il y en a, je m'en bats un peu les couilles. Surcoté Ah, pas mal. Est-ce que je mets une casse surcoté, le chat Est-ce que le chat, je mets une casse côté Connais pas, t'enlèves. Au pire, je mets surcoté. Alors, déjà, venez, on se met tous d'accord. Ah euh, oh, ouais, c'est pas mal ça, euh, surcoté. Ok, les gars, j'ai une question. Est-ce que le mot surcoté, on est tous d'accord que ça veut dire. Euh, ça veut dire quelque chose de surcoté. C'est quelque chose qui est qualifié de. Incroyable alors qu'il est censé être au même niveau qu'un truc normal. En mode c'est il y a trop de hype pour rien. Est-ce que c'est ça hein, quelque chose de surcoté Moi surcoté euh, je vois ça en mode euh, euh, tout le monde kiffe machin mais euh, c'est cool mais c'est pas un truc de ouf non plus. Faut arrêter d'abuser. Genre Ace je le mets en surcoté. <laughs> Allez, hop, ça va me taper. Allez, <laughs> je pars déjà du live. <laughs> Est-ce qu'on le laisse le surcoté, surcoté Oui, il faut le laisser. Euh, casse trop de flow. Ah, je sais pas si trop de flow. En vrai, quand tu mets masterclass, c'est qu'il a du flow et tout, tu vois. Moi, je pense les gars, on va, on, on juge pas selon le niveau. Je pense qu'il faut juger selon euh, le, le un global. On juge pas le, les puissances. <coughs> on juge pas. On, on juge pas avec les puissances <laughs> Les gars je sens que ce soir on va se faire taper Je sens, je sens que sens on va se faire taper <laughs> Ce soir je vais me faire taper Quand je vais mettre les Quand je vais mettre les, les, les noms dans les machins Je vais me faire enculer Par la commu Non les gars sachez c'est mon avis Après on, on verra on en débat j'ai aucun souci à me faire insulter par des gens. Euh, je m'en fous. Je dis mon avis. Après, euh, voilà. Chacun, chacun, on débat et on essaye de faire une belle tier list. Il y a certains trucs que vous allez m'aider pour faire mieux, ok? Merci beaucoup, Nirox. Ne serait-ce pas mon ref. Merci, frérot. Merci, frérot. Merci beaucoup. Ok, les gars. Est-ce que la colonne vous va? Tapez 1 si la colonne vous va. Tape... Et au mieux de, si ça vous va pas, vous dites ce que faut que je rajoute ou ce que faut que j'enlève. <coughs> va y avoir trop de monde en goutte Rajoute une case légende. Bah masterclass c'est un peu légende non? Cool de fou masterclass. Ok alors attends ok j'ai une idée j'ai une idée de ouf. Euh, Goat je vais mettre là. Add op ok je mets ça en bas. Euh, Goat je le monte. Goat on en met qu'un. Est-ce que Goat on en met qu'un seul et du coup on fait masterclass et ici on met légende légende. Genre on se met un Goat trois légendes. Un GOAT, trois légendes, masterclass, on s'en fout. Le reste, on s'en fout. Du coup, on fait un seul GOAT. Ah ouais, mais un seul GOAT, ça va être chaud, mec, de trouver le GOAT de One Piece, gros. Oh là 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 là. <coughs> sur côté, euh, je la mets où Je la laisse là, sur côté. Là, je pense qu'on est pas mal. Je pense qu'on a un, un bon truc, là. C'est bon, les gars On y va Est-ce que vous êtes prêts Deux sous côté. Hein euh, Dépêche ma gueule. Non, trois GOATs. Goat, on en met combien dans Goat le chat? Trois en Goat, ok. Goat, on en met trois alors. Je mets trois Goat alors. Ok, c'est parti, on commence. Vous êtes prêts? Let's go. Merci Lilian Potin merci à ceux qui mettent le pouce bleu. N'hésitez pas. Merci à vous abonner, mettre la cloche. Goat, j'en mets trois. Ok, c'est parti, on commence. On commence euh, avec euh, Akeinu. Alors ça part direct en fils de pute. Euh, une objection dans le. Est-ce que vous avez une objection dans le chat Si vous avez une objection, dites-le maintenant. Parce que j'en prendrai pas du tout compte. Il restera dans cette case de fils de pute. <laughs> Après, moi, les gars, je suis pas du côté de la marine. Je vous le dis. Euh, je veux mets fils de pute. Est-ce que tout le monde est d'accord Ça commence comme ça. <coughs> Sous-côté. Non, non, lui, c'est fils de pute, les gars. Lui, lui, il mérite. Là, je vous jure, il mérite sa place. Je vous jure, il mérite sa place. Non, dans goth, on en met trois, Ok Dans goth, on en met trois euh, Non, c'est bon. Aucune objection. Non, aucune, aucune objection. Allez, c'est bon. C'est bon. Ça part un hein, fils de pute. Euh, ok. Ça, c'est Aokiji, je crois. Aokiji. Ok. Eh ben, moi, les gars, Aokiji, je crois, on a commencé à le voir avec, euh, avec Lobby et tout, avec Robin, tout ça. Euh, j'aime bien son fruit de la glace. Il y a des théories. Il y a des théories, les gars, qui disent que Aokiji, c'est le daron de Brooke. Parce qu'ils ont un peu la même dégaine. Et comme il est, il a la glace et que Brooke, euh, il a l'épée qui fait de la glace aussi. Il y en a qui font des théories comme quoi c'est son daron. Bon, euh, je pense, je sais pas si cette théorie elle est legit ou pas. Euh, Aokiji, moi je le mets pas dans goth, je le mets pas dans légende. Je... En fait je l'aime bien, mais pour moi c'est pas un perso que je mets dans les. Je pense que je le mets cool de ouf. Je pense que je le mets cool de ouf. Je le mets pas dans master, mais les gars master class, il y a des mecs qui il... ça va être cool en master class. Je le mets dans cool de ouf je pense à Aokiji. Impossible. Non, c'est nimpe. Ok, ouais, c'est nimpe ça. Ah, ou que Brooks, c'est le daron de Aokiji. Euh, je sais pas, pas possible. Brooks a 80 ans. Ouais, bah, je crois que c'est l'inverse. skip Aokiji, c'est le fils de Brooks ou j'en sais rien. Il y en a qui ont. J'ai vu une théorie comme ça. <coughs> Est-ce que c'est bon, cool de ouf C'est legit Legit ou pas legit Moi, je le mets en, en legit en vrai. On l'a pas vu tant que ça. Euh, on l'a vu de temps en temps. Euh, Moi, je le mets là, je pense. Cool de ouf en vrai. Non oui, il y avait une théorie comme quoi c'était euh, le fils de Brooke, un truc comme ça. Mais je pense pas que c'est vrai, hein. on verra bien. On verra bien. Ok, lui c'est qui déjà Ça c'est un mec de la nouvelle génération qui fait du son là. On est d'accord C'est lui là, c'est... Je me gourre ou pas C'est le DJ qui fait du son dans la nouvelle génération. Enfin, son fruit du démon c'est le fruit du son, euh, je sais pas quoi là. Je pense que je le mets dans... Lui je le mets dans... Nul en vrai. Lui, il... Casse les couilles lui. Je l'ai vu à Wano là... Euh... Ouais... Nul hein. <laughs> non mais moi je juge pas selon la puissance. Le chat, on on ah, il s'appelle Apo, ok. Ok, ok. On juge pas selon la puissance. Euh... Franchement, je l'aime pas trop son perso. Je c'est éclaté comme technique. Vous me mettez haut, vous... Moi je le mets nul. Je pense que je le mets nul. Après, nul, mais pas, euh, nul, son fruit, il est nul. Je te dis juste, le perso en lui-même, euh, éclaté, quoi. Bof. Ouais, vous, vous mettez bof. Moi, il y a des gens que je pense que je mettrai bof, qui mériteront plus que... Éclaté, le frérot. Nul, bof. Ouais, vous, vous le mettez bof. Bon, bah. Il est increvable, par contre. Ouais, mais en vrai, on s'en fout. Moi, je ne juge pas sur le, la puissance. Parce que si les gars, on commence à juger par la puissance, notre Thierry, ça va être mauvaise, t'as vu. <coughs> Ah, Okiji, à a puis a à Jean-Barbenard, ouais. Sur côté, ouais, vas-y, bon, allez, moi je le mets. Bah, je le mets dans bof, allez. Moi je voulais le mettre nul, mais comme vous êtes la plupart à mettre bof, on met bof. Ok, euh, ça les gars, c'est un des mecs dans Wano, là, il fait parmi tous les samouraïs, là, euh, avec Oden. Je connais pas le nom parce que les gars, j'ai rattrapé tous les scans. J'ai pas eu le temps de retenir tous les noms euh, des samouraïs qui étaient avec Oden. Mais est-ce que je me trompe Je crois que c'est ça. Hein. Vous pouvez me dire son nom, les gars mais il fait partie des, des, des samouraïs légendaires de Wano, lui. Si je me gourre pas. Dites-moi que je me gourre pas. Oui, c'est ça. Oui, oui, oui. Ah, lui, je l'ai pas, pas assez vu, en vrai, lui. Je l'ai pas assez vu à l'œuvre et tout. En vrai, je l'aime bien. Je l'aime bien. C'est lui, il a ramené aussi des troupes à euh, Shora. C'est lui aussi, il a ramené des troupes pour euh, l'assaut sur Wano et tout. Mais je sais pas, en vrai... Euh, en fait, il faudrait un, une catégorie normale en vrai. Parce qu'en vrai, moi je le mettrais cool de ouf, mais le mettre au même niveau que Aokiji, euh, je sais pas. Hein. Je sais pas si je le mets euh, au même niveau qu'Aokiji, le mec des fours rouges. Bof, hein, je pense. Hein. En vrai. Parce que si je le mets cool de ouf, ça veut dire qu'Aokiji il est au même niveau que lui, je sais pas, tu vois. Moi je pense que je le mettrais plus bof. Je le mets bof ou pas, les gars? Sympa. Ouais, ou sinon, je rajoute une case. Soit, alors, le chat, dites-moi, je rajoute une case ou je le mets bof? Parce que je le mets pas au même niveau qu'Aokiji hein. Ok, bof. Vas-y, on le met bof. Je pense. En vrai, de toute façon, les gars, les ceux d'après, c'est les ceux d'après qui sont masterclass. Euh, ok, lui, c'est qui déjà? Ah bah, lui, par exemple, je me rappelle plus du tout, tu vois. Il y a des persos comme ça. Ou que vous pouvez me dire, il est dans quel arc, lui? Il me dit un truc, mais je me rappelle plus du out, frère. <coughs> Merci Lilian pour ta donnée Merci mon ref. C'est qui, lui, les BG Je me rappelle plus. T'as dit, on juge pas par la puissance. Ouais, on juge pas la puissance, les gars. On juge pas la puissance. C'est qui, lui Ah mais c'est bien, en plus, on va pouvoir se rappeler un peu One Piece tous ensemble et tout. On va pouvoir parler, ça va être cool. <coughs> Wano Il a Wano, lui mais, je mais gros, je crois, je l'ai je, je, je même pas vu, frère. C'est qui, wesh C'est Jack Mais non, c'est pas Jack. C'est pas Jack, les gars. Équipage de Teach. Ah, il est dans l'équipage de Teach. Ah, mais on l'a même pas vu, frère. On l'a même pas vu. Au pire, on fait une case pas beaucoup vue. Non, c'est pas, pas Jack, les gars. Je crois pas que c'est Jack. Hein. Non, non, c'est pas Jack. C'est pas Jack. Je pense que c'est... Vous avez raison, c'est un mec de l'équipage de Teach. Euh, je vais mettre une, une case... Pas vue. Je pense. Je vais mettre une case pas vue. Pas beaucoup vue. Pas assez vue. Je pense. Comme ça, au moins, on se prend pas la tête. Parce qu'on peut pas trop juger si on n'a pas trop vu. C'est comme dans la vie de tous les jours. On peut pas trop juger si on n'a pas trop vu. Euh, ok. Lui, les gars, c'est un. qui ils ont un truc comme ça. Je sais plus comment il s'appelle euh, dans le truc. Mais c'est celui qui gère les cartes et tout. Euh, avec sa, sa poupée là. Quand, quand tu tapes sur sa poupée, ça tape sur un, un ennemi ou je sais pas quoi là. Euh. Ils avaient fait un truc là euh, sur Wano là sur les derniers, les derniers scans j'ai vu incroyable je spoil pas mais lui je l'aime pas moi moi je lui je l'aime pas même avec l'eau là il était allé euh... mais en fait il y a beaucoup de trucs avec Wano et tout que je veux pas trop spoil à la commu mais je pense que vous l'avez vu euh, quand, quand euh, l'eau il est allé en tôle moi au quiz les gars euh, moi euh, c'est soit bof soit fils de pute hein. moi je le mets soit bof soit fils de pute parce que je l'aime pas <laughs> En vrai, je l'aime pas trop. Cool de ouf. Ah, vous aimez vous? Frère, je t'aime bien, mais t'es lent. Bah les gars, j'essaye de, j'essaye de réagir un peu avec le chat. Hein. Sur côté, cool de ouf. Ah ouais, vous vous le mettez dans cool de ouf? Ah ouais, bah moi je le mets bof alors. Il est chiant. Ouais, moi, moi les gars, j'ai pas trop, j'ai pas trop kiffé. Hein. Vas-y, moi je le mets bof alors. Hein. <coughs> moi, j'aime pas trop sa euh, dégaine. Ok les gars, c'est qui ça? Mais wesh, mais attends, mais gros, les, les têtes des persos, c'est quoi là, le perso qu'il a pris là C'est qui ce perso là Bon, celui, je, je sais que c'est l'équipage de l'eau, lui. Le figoum, tous les persos d'animé. Non, mais arrête, Ezwin. C'est cancer de dire ça. Tu peux pas comparer des persos. Euh, tu peux pas comparer les combats dans des persos d'animé. Non, mon ref. <laughs> c'est qui lui, les gars On peut regarder ou Naruto ou One Piece. One Piece, tu peux regarder sur ADN. Il y a plein de sites, mon ref, pour, pour regarder. Beckman Mais c'est dans où c'est un hein, Beckman Second chance Ah oui mais ok Lui on l'a pas vu aussi beaucoup hein. Ah si Est-ce que c'est lui qui a le pistolet quest ce que c'est lui qui a le pistolet les gars Au début dans euh, euh, Au début de One Piece là Quand il y a Luffy et tout euh, Qui sort du euh, Du bar et tout Et que lui il l'agresse avec le pistolet euh, Le mec qui faisait chier C'est ça ou pas C'est lui ou pas Celui qui a le pistolet Mec lui je pense c'est Masterclass Mais on n'a pas assez vu de lui On n'en a pas assez vu je sais pas si c'est lui euh, avec le pistolet Oui c'est lui ok 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 ok. bah pff, Pas assez vu les gars on peut pas mettre masterclass On peut pas mettre masterclass ou légende Juste parce qu'il est dans l'équipage de Shanks Bah allez moi je, moi, je, je mettrais dans pas assez vu Comme ça on juge pas Merci beaucoup Rebecca ça fait plaisir On le met dans pas assez vu parce qu'on a pas vu De combat et tout <coughs> Non genre lui il vise Kizaru à Marineford Ouais mais aussi au début Tu le vois au début de One Piece aussi il a un flot de baiser lui, mais je le mets dans pas assez vu parce que on l'a pas vu trop. Ça va ou pas pas assez vu C'est legit ou pas Cool de fou Ah oh, en vrai on peut le mettre dans cool de fou mais on a plus vu Aokiji que lui quand même. Hein. En vrai. Non c'est le gros qui tire avec le pistolet. Alors lui c'est avec le c'est le mec avec l'épée alors. Il a mis un coup de pression à Kizaru. Ouais ça je me rappelle. Mais je sais plus s'il avait le pistolet ou l'épée. Ouais, pas assez vu, je pense. <coughs> <coughs> ok les gars, Bepo on le met où Bepo, moi, je le mets dans cool de ouf. Est-ce que c'est legit Bepo cool de ouf. En vrai, les gars, euh, équipage de l'eau et tout, mais après, euh, je vais pas le mettre masterclass ou légende. Cool de ouf, je le mets moi. Masterclass Bepo, vous le mettez masterclass <coughs> Pourquoi vous le mettez masterclass les gars Cool de ouf mais en dessous de Aokiji Mais vous vous le mettez euh, Masterclass Ah ouais moi je, je l'aurais pas mis masterclass quand même On voit pas tout le monde Ouais mais t'inquiète on va voir Le problème c'est si je descends tu vois pas la colonne en haut Mais de toute façon il y a tous les persos euh, un peu principaux de One Piece hein. Non sur côté cool de ouf En vrai moi je le mets dans cool de ouf je le mets là, je pense, je pense c'est bon. OK, elle c'est qui elle Vas-y, on la mettra après. On va on, ceux qu'on connaît pas trop. Oh Oh là là Oh là oh là Oh là oh là Oh là oh là, oh là Bon, allez, on va pas perdre du temps. On n'est pas là pour jouer aux cartes. Nous allons pas perdre du temps. Nous allons pas passer par 5000 5000 passages. Je crois que c'est un de mes persos préférés. Faut le dire. Faut le dire. Non mais, allez hop. Non, je, je vais le dire. Il faut le dire. C'est une légende. Alors, vous pouvez me dire, non, 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 nul, bof! Allez hop, moi je le mets dans légende. Mais, <laughs> GOAT! Limite, limite, je mettrai GOAT! Carrément, ma, carrément je le mets GOAT! <laughs> Mec, moi je m'en fous, je le mets dans légende. Je m'en bats les couilles, je le mets dans légende. Mec, les gars, c'est une légende. C'est une légende. Gros, eh, bah oui, je peux spoil là, ça va, c'était. Les gars, c'est le meilleur suicide de tout One Piece. C'est le meilleur suicide de tout One Piece. Il mérite d'avoir sa place en légende. Il mérite d'avoir sa place en légende. Masterclass, c'est incroyable. Mais... Non, il mérite mieux que Masterclass. C'est une légende. C'est une légende de One Piece. Logique, merci les gars. C'est le meilleur. Mais la tête, même, les gars. C'est le meilleur. <coughs> <coughs> T'es un ouf. Logique, gote. Il y en a, il me dit, mets-le en gote. Merci King Hawk. Merci pour ton sub, mon ref. Dose. Non, les gars, franchement. Franchement, moi, je, je dis, il mérite sa place dans légende. Vous pensez qu'il est pas mort moi, moi, je pense qu'il est mort. Vous pensez qu'ils l'ont mis en prison à Impel Down Vous pensez qu'il est en prison ou qu'il est mort moi, je, moi, pour moi, il était mort à Impel Down. Genre, le mec de la prison, il a dû le tuer. Pour moi, il n'est pas en prison. Pour moi, c'est est fini. Il est mort, frère. Ah vous, vous pensez qu'il est toujours vivant Goat, il est incroyable. Mec, il est incroyable, gros. Incro Au début de One Piece, il me cassait les couilles. Mais après. Quand j'ai vu ce qu'il a fait, je l'ai sucé. Mec, si je pouvais le sucer dans la vraie vie, mec, je lui prendrais même les deux boules avec, frère. Il est pas mort Peu importe Peu importe, j'espère. S'il est pas mort, c'est incroyable. Mais euh, je pensais qu'il était mort, putain. Je pensais qu'il est pas mort. Euh, ça, c'est la meuf de la nouvelle génération. Pff, ouais. Pff, on l'a pas vu beaucoup, hein. On l'a pas vu beaucoup, je la mets là. Oh là là, Brooke. Oh là là. Alors attention, là ça commence à être dur. Quand quand il y a des membres de l'équipage à devoir classer, je vous avoue là c'est sûr on, 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 on va là on va se prendre des insultes, on va se chier dessus. Ok, brooke moi j'ai bien kiffé son pouvoir là avec la glace et son sabre. Moi il m'a bien fait, moi il me fait bien rire brooke. Après où le mettre Dans masterclass ou cool de ouf Après c'est un membre de l'équipage. Moi j'ai envie de le mettre masterclass. Mais et moi j'ai envie de le mettre masterclass. Non en vrai j'ai envie de mettre masterclass. Même son histoire avec la boon et tout elle est incroyable. Il y en a il met bof, légende. Non quand même pas. Ouais, non les gars. Non pas légende, pas légende, pas les gens Je pense masterclass. On peut mettre Brooke en masterclass, genre. Ok tiers. Cool de ouf ou masterclass, mais... C'est quand même un membre de l'équipage, je préfère Brooke que Beppo, t'as vu Donc, selon ce que j'ai mis dans Cool de ouf, je mettrais quand même Brooke en masterclass quand même. Quand même, les gars, on lui accorde ou pas la place en masterclass à Brooke ou pas est-ce que le chat vous, vous m'accordez de le mettre ici? <coughs> Vas-y, je le mets dans Masterclass. Après, c'est entre Masterclass et Cool de ouf. Si je pouvais le mettre entre les deux, je le mettrais entre les deux. Le problème, c'est que si je vais. En fait, le problème, non. Je vais le mettre dans Cool de ouf. Je vous es, en fait, je vous explique pourquoi je le mets dans Cool de ouf. Parce que Masterclass. En fait, je peux pas mettre Zoro. Euh, je peux pas mettre Zoro dans Cool de ouf ou Masterclass. Faut que la Masterclass, elle soit incroyable. Donc. Tu vois, si je mets Brooks en cool de ouf et que je mets Zoro en masterclass, je mets Zoro en masterclass. Tu vois, masterclass, faut que... Faut quand même que ça soit... Avant les légendes, pour moi, il y en a, il y en a, il y en a que 5. Hein. Il n'y en a pas beaucoup, les légendes. Hein. Et tu vois, je ne sais pas. Tu vois, je ne sais pas, par exemple, si Zoro, je le mettrais légende. Parce que si, si on dit vraiment que légende, c'est les, les grosses légendes du genre... Euh, du genre euh, barbe blanche et tout... Euh, tu vois, imagine, je mets euh, Brooke à côté de Barbe Blanche. C'est pas logique. En vrai, je vais mettre dans Cool de ouf, les gars. Je vais mettre dans Cool de ouf. C'est plus logique, je pense. <coughs> Zoro en Goth. Non, mais non, les gars. Goth, on en, on en met trois. Je vais pas mettre euh, Zoro. Ah mais, ah, mais légende. Ah oui. Donc, si j'ai le droit d'en mettre trois en Goth, ça veut, dire que okay. ça veut dire que je peux mettre Zoro en légende. Non, Zoro, je mets pas en Goth, les gars. Vous mettez tous Zoro en Goth Ah ouais non mais en fait, en fait j'hésite parce que, que selon où je vais mettre Brooks Ça veut dire que ça va me niquer pour mes autres catégories Au pire on, 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 on verra après ce qu'on fait avec les trucs Zoro vous le mettez goat vous le chat Vous mettez Zoro en goat Non mais goat les gars il y en a que 3 Je les ai déjà les trois goat <laughs> Zoro goat Ouais non mais les gars j'adore Zoro On adore tous Zoro Mais... Moi, Zoro, je le mets soit Masterclass, soit Légende, mais pas en GOAT. Bien sûr. Zoro, t'as vu, il a fait quoi Mais oui, mais Zoro, j'ai vu, il a fait quoi Gros, il a failli se suicider pour le Mec, on voit tout, j'ai tout vu. Maintenant, est-ce que tu le mets vraiment dans GOAT Zoro, le GOAT, frère. Vas-y, vous savez quoi On va attendre qu'il y ait Zoro. Et on va voir où on le met. Ok On va voir où on le met. Zoro, GOAT direct. Mais, les gars, moi, pour moi, tu vois, Zoro, je l'aurais mis en Légende. Parce que c'est une légende. Et les légende, vous savez, les légende, on va pas en mettre 100, hein. Tu vois, légende, je vais pas en mettre 100. Tu vois, moi, je, Zoro, je ne le vois plus en légende. Je l'ai pas encore mis, mais en vrai, pour être vraiment honnête, je l'aurais vu plus en légende. Ok, lui, les gars, c'est... Euh, c'est quoi son blaze déjà euh, C'est celui qui a la ville entière, là, dans son ventre et tout. Euh, c'est bah, c'est lui qui avait fait Walkake, là, qui avait pris Sanji et tout, euh, qui avait fait l'alliance avec Big Mom ou je sais plus quoi, là. C'est lui, là, le pistolet et tout ça. Mais je sais plus, c'est quoi son blaze Merci beaucoup, King Hawk. Merci, mon ref, pour ta donné Merci beaucoup. Lui, les gars, euh, pff, ok, il a fait l'alliance avec Luffy. Euh, en vrai, je l'ai bien kiffé. Moi, je le mettrais dans Cool de ouf, en vrai. Beji, ouais, voilà, c'est ça. Capone Beji. Bah, je le mettrais bien dans Cool de ouf. Ça vous va ou pas, Cool de ouf En vrai, je pense c'est bien. Hein. <laughs> vous, vous le mettez bof. Moi, je l'ai bien aimé, en vrai. J'ai bien aimé à Wallcake euh, son alliance avec Luffy. Perso, je le mets Goat Instant ouais mais Goat tu dois en mettre que 3 unités de five tu dois en mettre que 3 tu vois moi BG c'est celui que je préfère de la nouvelle génération de des trois là donc je l'aurais mis dans cool de ouf bof vous vous le mettez bof moi moi j'ai bien aimé en vrai lui hein. bof oui oui cool de ouf bof bof ouais lui bof il m'énerve en vrai euh, en vrai les gars dites-vous moi je le mettrais dans cool de ouf juste parce que frérot il a organisé tout un plan etc euh, mec, dans l'arc wall cake, en vrai, la tête d'homme, je ne l'aimais pas au début. Mais après, l'arc wall cake, je l'ai kiffé. <coughs> ça reste un traître. Ouais, mais... Ouais, vas-y, en vrai... Je mets le premier des débuff. Parce que il, il... c'est le plus legit parmi tous ceux-là là, que je préfère. Genre, c'est lui mon préféré, t'as vu Je le mets en premier. Je le mets en premier débuff, comme ça, euh, c'est bon. Parce que en vrai, je... je... Tu vois, lui, je l'aime pas et lui, je l'aime bien. Donc, je le mets là. Ok, elle, c'est la meuf des, des Minx, là. C'était la pote à Pedro et tout. Rip Pedro. Dans le chat, un max de Rip Pedro. On adore Pedro. Euh, bon, elle. Oh, c'est bon, Pedro Bon, en vrai, elle, elle, elle m'a saoulé. <laughs> en vrai, voilà, c'est bon. Pedro, je l'aurais mis dans Légende. Non, en vrai, Pedro, je l'aurais mis Masterclass. Ou oh, cool de ouf, mais elle. Ouais, nul frérot, c'est bon. C'est bon carotte, nul. Les gars, c'est bon. En vrai, de vrai... Allez, hop, on s'en fout. Frérot, c'est la Terlis, pas celle du chat. C'est vrai. Bah regarde. Non, en vrai, là, j'écoute plus mes choix que celle du chat. En vrai, de vrai, ça va. J'essaie de faire un, un juste milieu. Tu vois, elle, nul, c'est bon, elle m'a saoulé euh, C'est bon, Pedro, je l'aime bien. Elle, bah euh... les Ok les gars, c'est qui elle bah attends mais c'est une autre Minx Il y en a deux. Il y avait il y avait Carotte et il y avait une autre. Je crois que c'est elle sa coéquipière. Alors peut-être que je dis de la merde. Merci beaucoup Unitate5 Merci le chat. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, qui s'abonnent. Carotte éclata frère Moi je m'en bats les steaks hein de Carotte. Hein. Si Carotte elle meurt en vrai. Euh... En vrai je veux pas pleurer. <laughs> non elle est cool ouais. En vrai je préfère Bepo que Carotte. Je peux pas la mettre à côté de Aokiji et tout. <laughs> Carotte forme sulongue. Ah bah c'est carotte forme sulongue. Ouais bon, c'est pareil, hein, c'est le même perso. Hein. Est, en vrai, elle, elle est forte hein, quand elle est en forme longue, mais bon, c'est le même perso quoi. <coughs> euh, ok, ça les gars, c'est qui Ah, ça, je sais plus c'est qui, mais ça c'est Big Mom. J'ai failli confondre avec Big Mom. Moi, ils ont la même tête presque. Euh, Big Mom, allez, vas-y, les gars, va réfugié à mon empereur. Ok, Big Mom. Je n'ai On n'a pas le droit de spoil. Le chat, pas le droit de spoil. Bon, Big Mom, en vrai, que dire que dire, que dire, que dire, que dire de Big Mom En vrai, c'est quand même une salope. <laughs> en vrai, dans le fond, c'est quand même une bonne salope. Euh, en termes de force, elle est surpuissante. Maintenant, je vais pas spoil de ce qui s'est passé. Euh... Mec, déjà, je la mets pas dans God, je la mets pas dans les jambes. Putain. En vrai, elle, elle m'a fait rire A Walk Cake, elle m'a fait rire C'est soit je la mets dans Masterclass, soit je la mets dans Cool de Ouf Mais Dans les quatre empereurs euh, Qu'il y a actuellement Pour moi C'est celle qui mérite le moins d'être dans Masterclass En mode euh, En mode euh, Tu vois, entre Kaido, Shanks et Barbe Noire euh, tu vois, je les mettrais plus Dans Masterclass que dans Que à côté de Big Mom moi Big Mom je la mets dans... Je pense que je vais la mettre dans cool de ouf. Mais en vrai, elle a une vraie histoire, Big Mom. C'est pour ça que j'ai envie de la mettre dans Masterclass. Parce que son histoire et tout avec euh, l'île. Enfin, je sais plus quand là, mais quand elle était allée avec les géants, elle a détruit toute l'île. En vrai, de vrai. Ouais, moi, je... je pense que je vais la mettre dans cool de ouf, les BG. Je... Elle est cool. C'est un perso, je l'aime bien et tout. Mais c'est pas euh, le perso masterclass. Je pense que c'est le perso cool de ouf. Bon, attends, les gars, est-ce que pour l'instant, je me fais insulter, vous m'insultez sa mère, ou ça va, je suis raisonnable Soyez honnête avec moi, est-ce que pour l'instant, je suis raisonnable, ou je suis un gros enculé, euh, je, je, vous, vous avez le droit de m'insulter <coughs> <coughs> Sur côté Non, je pense pas sur côté en vrai, Big Mom. Il n'y a pas tant de gens qui, qui parlent en mode, ouais, Big Mom, meilleur truc du, mode, du, du, du de, de l'animé et tout. Euh, je pense pas. <coughs> Tu parles trop, bah j'essaye les gars de, de dire mes avis vite fait, tu vois, comme ça. Insulte, pas ouf, ça va, raisonnable, on t'insulte. Oui, je t'insulte, je t'insulte, oh là là, c'est pas raisonnable, c'est nimp Mais qu'est-ce qui est nimp les gars Ça va, t'es raisonnable. Mais de toute façon, quoi que je fasse les gars, il y en a forcément qui vont dire que c'est nimp Merci Troxy pour ton sub. Il y en a forcément qui vont m'insulter les gars. Ça va, mais c'est honteux. <laughs> Franchement, ça va à peu près. Pas ouf pour l'instant. De toute façon, vous allez voir à la fin, je vais me faire insulter. Je sais déjà. <laughs> Moyen en vrai. T'es pas raisonnable, mais je ne t'insulte pas. Merci, mon frérot. C'est très gentil. <laughs> ok, les gars. Euh, ça, c'est la meuf dans l'équipage de Titch. Vous m'avez dit. Bon, on l'a pas assez vu, Du coup, je la mets, je la mets pas. Euh, je vais mettre les. Ok, Chopper. On va mettre Chopper. Chopper, Kobe. Je le mets là. Le mec du CP0. Euh, pff, chopper. Chopper, 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 bah mec Chopper je vais le mettre Masterclass, mais le problème c'est que Masterclass va y avoir tout l'équipe, bah pas tout l'équipage, il y en aura certains qui vont être en légende, Chopper, moi je l'aime bien en vrai, en vrai je l'aime bien, son histoire elle est d'art, en vrai Masterclass hein, Chopper non, soit c'est cool de ouf, soit Masterclass, mais en vrai Chopper moi je l'aime bien. Chopper, en plus, il a sauvé, je sais pas combien de fois, euh, l'équipage, frère. À chaque fois que le fil était empoisonné, il faisait des, des, des vaccins, des machins. Moi, je le mets en masterclass. Moi, en vrai, masterclass. Pas légende, masterclass. Mais le problème, c'est que tous les mecs de l'équipage, euh, il y en aura aucun qui sera en cool de ouf ou bof. Parce qu'en même temps, on est trop attachés à l'équipage, en vrai. <coughs> Certains vont pas à leur place. Merci, merci beaucoup, Luminex. Merci beaucoup, mon ref. Sur ADN, je regarde mon ref. Merci, frérot. Ok les gars, Kobe, Kobe, euh, c'est le premier mec qu'on voit dans One Piece. Alors les gars, il y, y a des gens qui font des théories sur Kobe euh, dans le chat. Est-ce qu'il y a des gens qui disent, ouais, c'est le premier mec qu'on voit dans One Piece. C'est sûr qu'il va y avoir un, un, un truc de ouf avec lui. Est-ce que vous avez des théories, vous, avec Kobe Moi, j'en ai pas trop. Mais c'est vrai que c'est le, le premier personnage que tu vois dans One Piece, c'est Kobe. Donc en vrai, euh, je sais pas s'il si va se passer un truc avec lui. Mais est-ce qu'il va se battre contre le fils, que machin. Vous le voyez où vous les gars En vrai, Kobe, moi, je vais le mettre dans Cool de ouf, je pense. Hein. Cool de ouf, je l'aime bien en vrai, Kobe. Hein. <coughs> masterclass, Kobe, vous vous le mettez masterclass. Cool. Moi, je le mets plus Cool de ouf, en vrai. Ouais, non, le premier mec que vous voyez dans le dessus, c'est Roger. Non, mais le premier, ouais. Dire ouais, mais ça compte pas. C'est quand ils font le, le truc au début là. Futur admiral, oui, 1v1 contre le Ouais, il va devenir amiral et changer la marine. Il veut capturer Bora Hancock ce fou. Jure, il va capturer Bora Hancock Non, moi en vrai, les gars, je le mets dans cool de ouf. En vrai, pas masterclass parce que pour l'instant, il a. Euh, euh, Qu'est-ce qu'il a fait de masterclass, les, les gens qui veulent le mettre dans masterclass Pourquoi vous voulez le mettre dans masterclass et pas dans cool de ouf Kobe, après Kobe à Marineford, il a quand même ouvert sa gueule pendant la guerre. Il, en vrai, il faut le dire. Le gamin a porté ses couilles. Il a ouvert sa gueule et a dit Arrêtez de vous faire la guerre. C'est un peu lui qui a, qui a stoppé la guerre à Marineford. Bon, c'est quand même chance qu'il a stoppé la guerre. Mais c'est vrai qu'à Marineford, euh, il, il a fait le job. Maintenant, est-ce que juste pour ce move, tu le mets dans Masterclass Pff, En vrai, euh, il, il va avoir un globe phénoménal. Il a déjà un globe de ouf, mais. Moi je le mets pas euh, je le mets pas à Masterclass juste parce qu'il a dit arrêter de faire la guerre. En vrai, c'est Shanks hein, qui a mis son épée et il a arrêté la guerre. Euh, C'était pas Shanks qui a mis l'épée, mais c'est Shanks qui a dit euh, vous arrêtez là. Spoil plus. Bon, mais les gars, j'ai dit attention au spoil. J'ai dit attention au spoil. Vas-y, moi je le mets cool de ouf. Je mets cool de ouf. Je mets au même niveau que Big Bomb. Il a bloqué nous, tu réalises. Oui, mais on parle pas du, de la force ou quoi. On parle de en, en tout, les gars. Gros, il y a des gens, ils vont mériter plus d'être Masterclass. Hein. Garp Roger égale Luffy Kobe. Ah ouais, tu penses peut-être. Non, cool de ouf, pas plus. Ouais, moi aussi, moi je pense que je mets cool de ouf. Ok, les gars, le mec du CP0. Bon, moi, les gars, tous les mecs du CP0, euh, pour moi, euh, c'est des fils de pute. Hein. <laughs> Moi, je les aime pas trop les mecs du CP0. Bah après, comme tout le monde, je pense. Mais euh... c'est les mecs du. En fait, c'est l'élite du gouvernement, quoi. C'est ça, si j'ai bien compris, les gars. Le CP0, le 0 c'est l'élite du gouvernement. C'est ça ou pas C'est pas un truc à part, mais ça fait partie du gouvernement. C'est ça ou pas, les gars, si j'ai bien compris le CP0. Moi, y en a un que j'aimais pas, c'était Aegis Lobby, c'était le... c'était CP9. J'aimais pas. Mais CP9, c'est une des filières du CP0. Avant, enfin, on l'a pas assez vu, lui. Hein. Lui, on l'a vu Kawano. On l'a vu 3 secondes. Ceux qui lui les scans, ils, se... ils se sont compris. <laughs> non, en vrai, moi, les gars, euh... je sais pas où je le mets, lui. C'est des chiens ou pas, le CP0, les gars Il a duré plus longtemps <laughs> que la tectonique. <laughs> les gars, lui, il a duré autant de temps que la tectonique. Il y a un mec qui l'a dit dans le chat. <laughs> non, non, les gars, on a... On dit rien, on dit rien, c'est coller les scans, on va rien dire. On l'a pas assez vu en vrai, lui. Lui, on l'a pas assez vu. Vas-y, ah, si je le mets dans pas assez vu, comme ça, au moins. Il y a pas. Y'a rien, on l'a pas assez vu. CP0, c'est le service de renseignement. Mais attendez, les gars, est-ce que vous pouvez me dire exactement ce que c'est le CP0 Est-ce que j'ai raison Ça fait partie du gouvernement, en mode c'est l'élite, c'est comme la police, bah t'as le raid. Est-ce que c'est ça CP9 CP0. C'est les mêmes Non les gars, c'est pas Lucci hein, le mec là. Et est-ce qu'on est, qu est d'accord que le CP0 c'est des enculés Ou juste, j'ai pas compris One Piece et c'est pas des enculés, c'est des mecs d'art. On est d'accord, c'est des Je les aime pas. Moi je les aime pas en tout cas. Oui, c'est ça. Oui, c'est ça. OK, c'est ça. Et c'est des enculés ou pas on est d'accord, c'est des des chiens. Ouais, c'est le gouvernement. C'est des forces spéciales, en gros. Ouais, c'est ça. Service secret, ouais, voilà. C'est un peu ça. Bon, ok, ça, j'ai bon, j'ai compris. Mais, ouais, c'est les Ouais, mais du coup, est-ce que CP0 sont plus chauds Pour moi, c'est des fils de pute, en vrai. Moi, je l'aurais mis dans FDP, mais bon. En vrai, c'est CP0, c'est les gens qui travaillent pour les dragons célestes. Ouais, voilà. Ils travaillent pour les dragons célestes, c'est des enculés. C'est des chiens. Est-ce qu'on le met, fils de pute Est-ce qu'on le met FDP ou pas Tapez 1 si on le met FDP. Parce que, en vrai, on moi, les mecs du CP0, je les mets FDP. J'en je ai rien à foutre. Pire, bah, le CP0, c'est juste les services de renseignement, genre KGB. Merci, Nailo. Grosilicas, Matteo. Merci, mon ref. Merci, frérot. Merci beaucoup, les gars. <coughs> Grosilicas, Matteo Tom, Enzo et Maxence. Merci, les gars. Ah oui c'est des gros chiens alors du coup je le mets FDP alors je le mets FDP alors je, je mets moi le CP0 c'est des FDP alors Oui suivent les ordres c'est tout Bon en enfin, vrai on l'a pas assez vu Je vais le mettre là mais c'est un FDP parce qu'il travaille dans le CP0 Ok les gars les trois là ou à, à lui c'est à Wall Cake c'est un mec des sbires de Big Mom C'est vrai ou pas C'est un mec des sbires de Big Mom Allez c'est bon mais éclater Est-ce que c'est ça les gars Est-ce que c'est un mec des sbires de Big Mom Bah il est fort hein Il, il est fort J'ai pas dit qu'il était nul Juste le perso en lui-même Je m'en bats les steaks Tu vois nul <coughs> Lui je le mets là Nul C'est un des sbires de Big Mom Si je dis pas de la merde Mais il est pas nul en force hein. Je dis juste je, bon, Rien à foutre oui c'est ça C'est son fils Ok ouais voilà Bah les couilles alors Owen Ok lui c'est qui les gars C'est qui lui Putain <coughs> les gars y a des têtes frérot euh, Wesh euh, Gros euh, je connais même pas tous les blazes mmh. Ceux qui connaissent tous les blazes vous êtes vraiment chaud hein Vous êtes vraiment chaud Ceux qui connaissent tous les blazes hein Et c'est qui le mec là le... Celui que j'ai la souris dessus là Patate Mamao, C'est qui lui C'est pareil, c'est un autre fils. Ouais, c'est bon, pareil. Lui aussi, c'est un mec Wall cake, lui, non Ah non, c'est un mec de la marine, lui. Je crois. C'est qui lui déjà je, Lui, c'est un mec de la marine, je crois. Mais je connais pas... Et gros les gars... Par contre, les gars, je vous le dis, il y a des blases que je retiens pas. Il y en a, ils vont dire, ouais, honteux, Inox, il connaît pas les à ah, Moi, les gars, j'ai pas de honte. Il y a des blazes, les gars. Euh, je retiens pas tous les blazes. Les les principaux je les retiens, les autres je retiens pas tous les blazes. C'est encore un autre fils. Pas assez vu, mec de la marine. Ah non oui c'est un mec de la marine. Non mec de la marine, c'est un génie lui. Deikufu il s'appelle lui les gars. Lui c'est un mec d'un épisode hors série. Vraiment je sais pas, personne le connaît. Ah ouais? Même moi je sais pas frère. Lui frère je sais pas pas assez vu je mets Ok lui mec C'est quoi les mecs c'est qui eux frère La tête de doigt mais je me rappelle plus C'est qui le mec là En fait tu vas me dire je vais savoir mais là je sais pas Je vais le mettre après Ok euh, lui c'est qui C'est un des fils de Big Mom je crois non C'est qui lui déjà <coughs> Tu feras live spécial 5 millions samedi live 24h mon BG Merci beaucoup Merci beaucoup mon frérot lui, lui, je crois que c'est un des mecs euh, de Big Mom dans Wall Si je dis pas de la merde, euh, je sais plus par contre son blaze. Ah non, c'est un mec du CP0. J'ai dit de la merde. Ah, j'ai dit de la merde. Mais attends, je le rappelle plus. Je me rappelle plus de lui, les gars. CP0. C'est quoi son blaze, lui Eh ben, la tête de Ram. Il s'est battu contre quelqu'un ou pas Je me rappelle même plus de lui, les gars. Biscuit. C'est Biscuit. Ah, bah ben oui, c'est pas CP0, c'est Biscuit. Voilà, c'est un mec de Big Mom, j'avais raison. C'est un mec de Big Mom, c'est cr Cracker. C'est le mec qui était dans le cookie géant, là, dans le Biscuit. Et lui, la tête de. Ah, mais il était trop fort. Bon, en vrai, lui, je le mets dans. En vrai, qu'est-ce que ça m'a cassé les couilles, Wall Cake, les gars, c'était trop long. C'était trop long, mais le il a bien galéré à l'enculer. Hein. <laughs> le il a bien galéré. Où je le mets Où je le mets Où je le mets Je le mets dans. Bof, parce qu'en vrai, il est chaud, mais on le voit deux secondes, frère. Euh, voilà, il se bat contre le fille euh, cracker vs le fi. Le combat, il était stylé, mais sans plus quoi. Bof, bof. Est-ce que vous êtes d'accord, on met dans bof Non, mais pas, je vous dis pas, sa puissant, il est ultra fort, je le mets bof, pour ça. Non, je le mets bof parce que le perso en soi, bof, ok, c'est bon, c'est un, un biscuit. <laughs> c'est un biscuit qui s'est tapé pendant 10 épisodes pour se faire allumer sa mère, voilà.

les gars, moi, à la basta, c'est à partir de là que j'ai, j'ai bien kiffé One Piece. Le combat crocodile contre Luffy. En plus, le flow de crocodile, il était incroyable. Et crocodile s'est fait niquer. C'est, c'était le premier corsaire que Luffy l'a atomisé. Mais je pense que Luffy a eu une petite chatte, euh, que normalement, un crocodile, tu le tues pas comme ça. Et déjà, Luffy était à moitié mort, frère. Il s'était pris son pic dans, dans, dans le ventre. Déjà moi, là, à partir de ce moment, j'ai commencé à kiffer One Piece. Luffy, il l'a tué parce qu'il avait capté que l'eau, c'était le point faible du sable. Mais je pense que normalement Crocodile, il est, il est beaucoup plus puissant que ça. Donc Crocodile, c'est soit légende, soit Class. Et Crocodile, on est d'accord, les gars, il est passé du côté de Luffy. Est-ce qu'on est, qu est d'accord que Crocodile, euh, il a aidé Luffy pendant la guerre au sommet Oui, il l'a aidé, on est d'accord. Donc ça veut dire que c'est un BG. C'est un putain de BG. Après... Jusqu'à aller le me mettre dans le légende, les gars, je pense pas que je peux aller le mettre dans le légende. Je, je pense, je vais le mettre masterclass. Parce que légende, j'ai vraiment envie de pas en mettre 10 000 dans le légende. Et Crocodile, c'est un BG de ouf et tout, mais est-ce que c'est vraiment une légende de One Piece en mode, en mode, c'est Oden? Ouais, je, je pense pas, tu vois. Je pense plus masterclass. Dans, dans mes goûts à moi, tu vois. Mais à Marineford, il a fait du sale, hein. Mais je comprends pas qu'il s'est fait atomiser par Luffy. Les gars, dans le chat, pourquoi Oda, il a ridiculisé Crocodile face à Luffy Je comprends pas. En mode, pourquoi le. le parce que le perso de Kové, est ultra puissant, en vrai, de vrai. À Marine il était incroyable. Et je comprends pas pourquoi Oda, il a choisi ce move-là. Je le mets dans le premier des masterclass parce qu'il est entre les gens des masterclass, quand même. Je le mets dans le premier des masterclass, les Pour ceux qui voulaient mettre dans les gens, je le mets dans le premier des masterclass. C'est un Zoan. Du coup, il est pas mort. Il a sauvé Crocodile beaucoup plus stylé que Owen. Légende de One Piece. masterclass Class, mon ref. Il l'a sous-estimé, c'est tout. En vrai, je pense qu'il a juste sous-estimé One Piece. Hein. Euh, Pff, Luffy. En mode, il s'est fait niquer parce qu'il a sous-estimé Luffy, peut-être. Hein. Pour sauver la réputation de Luffy. Parce qu'en vrai, Crocodile, il aurait dû enculer Luffy dans Balboa. Il n'a pas réussi... Son fruit est chaud mais trop de points faibles. Croco légende rien que pour sa phrase... Sushi Dana. Mougi, voilà. Non, en vrai moi je le kiffe. Moi je le kiffe ce perso, mais je le mets devant tous dans Masterclass. Ok les gars, ensuite... Ça c'est un mec du CP0 si je dis pas de conneries. J'ai raison ou pas C'est un mec du CP0, hein Ouais, je crois que c'était un mec du CP0 euh, dans les Yes Lobby et tout ça. C'est ça ou pas les gars je pense, hein. si je dis pas de conneries. Hein. Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, j'espère que vous passez un bon moment. Je crois que c'est un mec du CP0, j'espère que je dis pas n'importe quoi. Oui. C'est un mec du CP0 ou pas Ah non, ah non, c'est pas un mec du CP0. C'est un mec de Baro courses Ok, je me suis gouré les gars. Je me suis gouré. Putain, il ressemble à un autre. Ah, j'ai confondu avec le taureau. J'ai confondu avec le taureau. Ok, c'est un mec, c'est Mr. One. Oh, c'est bon. Frère. Barrocox les gars nul nul on le met nul ou pas on le met nul en vrai on s'en fout de on s'en fout de eux non c'est un sbire de crocodile nul hein. en vrai de vrai on l'a pas vu tant de fois que ça moi moi je le mets nul en vrai <laughs> oh là là on va il va commencer à avoir des débats le chat Déjà, dites-moi si le live vous plaît Un maximum de flammes dans le chat Est-ce que le live vous plaît Mais là, il va y avoir gros débat Il va y avoir un débat monstrueux Et on va taper des têtes Là, il va y avoir des gens Qui vont s'énerver Mais réellement Garp Oh là, là 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 Non, moi, je vais pas m'énerver Moi, je sais déjà où je le mets En fait, c'est de la logique En fait, c'est de la logique Déjà En fait, c'est... Oh, c'est trop simple et je... En fait, j'hésite J'hésite soit il, il prend la ligne rouge Qui est tout en haut Soit il prend la ligne orange qui est légende Mais je pense que comme dans Goat On a dit qu'on en met que trois, Il va prendre sa case légende Normal, normal, sans hésiter C'est légende voilà, Quelqu'un a une objection Est-ce que le chat vous avez une objection Légende frérot, légende Déjà toute son histoire avec Luffy, Ace et Sabo Quand, quand j'ai regardé les flashbacks J'ai trop kiffé Ensuite le fait qu'il chiale à Marineford quand il y a Ace à côté, il est en train de chialer, j'avais des frissons, sa mère. Ensuite, je crois, il met une patate à Luffy. Quand Luffy, il essaye de sauver Ace, il lui met une grosse patate de forain, il en a rien à foutre. Il garde, il garde ses putains de, de valeurs. Non, c'est une légende. Garde légende de ouf. On est d'accord? Pas, pas, pas d'objection. Pas d'objection, les gars. Et en plus, il y a un truc que je rêverais de voir. Attention, spoil. Attention, bip, 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 bip. bip, bip, bip. Spoil. On a appris dans les scans. Attention, spoil. Mutez-moi pendant 10 secondes ceux qui veulent pas entendre. On a appris dans les scans que Garp et Roger, ils se sont faits contre les Rocks. Ils ont fait un 2 contre Barbe Blanche, Big Mom, Kaido, et je crois, et je sais plus qui, mais je sais plus c'était qui le quatrième. Bref, les deux, ils ont enculé Big Mom, Kaido, Barbe Blanche. Est-ce que le chat vous êtes d'accord avec moi? Je veux voir cet épisode. Je veux voir ce flashback. Est-ce que vous pensez qu'on va le voir, ce flashback? Frère, ça, ça, le flashback doit être incroyable. Le flashback doit être incroyable. Quand ils se battent, quand ils se tous, ça devait être insane. Direct. Xébec. Et Xébec? Ah, je sais pas, c'est qui Xébec. C'est pas scan Ah, ok, donc c'est pas un Spoil alors. Ah, c'était avec Zebek? Ok, bah, je, 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 je l'ai jamais vu, lui, les gars. Je jamais vu. Non, mais les gars, j'espère qu'on va avoir le flashback. Rassurez-moi, j'espère qu'on va avoir le flashback. Ça serait incre. Non, mais j'espère qu'on le verra. Masterclass, il n'y a pas de flashback. Il n'y aura pas de flashback. Ouais, mais bébé, le reste n'est pas à leur prime. Masterclass, pas légende. Il y en a cinq poteaux, pense à barbe blanche. Ouais, c'est vrai. Je le mets, non, je le mets en légende. Non, je le mets en légende. Je me le mets en légende, les gars. Garp, il mérite sa, sa légende, frérot. Garp, il mérite sa légende. Zebec, mais on l'a déjà vu Zebec ou pas le chat Est-ce qu'on a déjà vu sa tête On a déjà vu sa tête, vu sa, sa tête à, à Zebec. Je l'ai jamais vu moi. Je l'ai jamais vu. Zebec, le lion d'or. C'est le capitaine des rocks. Ok, bah j'ai jamais vu alors. Jamais vu. Ok, bon bah on en parlera à la fin du live alors pour vos théories et tout avec Zebek machin. Mais je l'ai jamais vu. Rassurez-moi, je passe pas pour un con. Personne l'a vu ou vous l'avez vu vous Non, 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 jamais juste une ombre. Ok, ok, bon, c'est bon, je passe pas pour un con. On a juste vu son ombre, ok. Ok les gars, ensuite, on enchaîne. Euh, lui c'est qui déjà On l'a vu il y a pas longtemps en plus à Wano, lui. Lui c'est qui Je me rappelle un peu, les gars que j'ai lu les scans, mais j'ai pas retenu son prénom. Je, je, je vous avoue, j'en je avais un peu rien à foutre de lui. Il va aller dans soit bof, soit nul. <laughs> oh c'est bon, ça part au four. <coughs> 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 Merci en tout cas pour tous ceux qui sont là, là, qui kiffent le live, qui mettent des pouces bleus et tout. Ça fait plaisir, les gars. Merci beaucoup. Lui, les gars, on le met où Denjiro. Den ah, est-ce que c'est un, un set four rouge ah oui, bah putain, bah non, alors je mets pas dans nul dans bof alors. Ah bah si, je le mets soit dans bof, soit dans cool de ouf, en vrai. En vrai, euh, je, je, C'est un bon, ouais, c'est un bon. Ouais, je le mets dans bof en vrai. Parce qu'on l'a pas trop vu. Les 7 fourreaux rouges, les gars, en vrai, euh, on les a pas trop vus. Il y en a certains qu'on a vus, mais les autres, on les a pas trop vus. Masterclass, vous le mettez Non, quand même pas, les gars. Non, pas, pas. Pas masterclass. Vous le mettez tous dans Masterclass? Attendez, j'ai loupé un épisode, là. Le chat, il a fait quoi de ouf? Cool de ouf, samouraï qui... Ok, non, j'ai failli lire un truc pour qu'il y ait les gens. Non, les gars, lui, lui, c'est pas Masterclass, quand même. Je crois que j'ai vu Kawano. Et il a pas fait un truc pour euh, se retrouver à côté de. Un truc de ouf pour se retrouver à côté de. Crocodile, si. Mais bien sûr, Masterclass. Mais t'es sérieux, il est dans Masterclass. Mais pourquoi il est, il est dans Masterclass, les gars Ah, ok. Parce qu'il a trahi euh, Orochi, ouais. Pff, juste parce qu'il a trahi Orochi. Vous le mettez dans Masterclass. Ah, c'est vrai qu'il s'était infiltré pendant tout ce temps, le temps que Kanjuro et tout, ils il reviennent 20 ans après. Il a fait V, genre, c'était son, son pote, et à la fin, il l'a trahi. Ouais mais est-ce que Masterclass c'est pour ça En vrai moi, moi je, je l'aurais mis dans Cool de ouf. Ah ouais, il a trahi Kaido mais bon il a trahi Kaido les 20 ans après... <laughs> taper un ce qu'il met dans Masterclass, taper deux ce qu'il met dans Cool de ouf. Moi je vais le mettre dans Cool de ouf. Parce qu'en vrai Masterclass il y a des gens aussi qu'on a vu plus et tout tout le long. Il a gardé la fille d'Oden aussi ouais. C'est un dieu, t'es un ouf. Bah bien sûr, il était... Ouais mais je sais, il s'était infiltré et tout. En vrai, on l'a vu qu'à quoi. Euh... Après, sur le coup, à Wano, c'était une masterclass. Mais... Est-ce que je le mets masterclass vraiment... Euh... Moi, 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 j'aurais mis cool de ouf. Parce que... Pff, ouais. j j à Wano, il a fait un truc masterclass, mais c'est trop récent en mode euh, pour que je le mette dans Masterclass, contrairement euh, à des mecs qui ont fait beaucoup plus de trucs, tu vois. Mais incroyable. Par contre, je me rappelle, maintenant que vous me dites, je me rappelle qu'il a trahi, machin. Merci Frappe pour euh, t'a donné... Merci Super Gaming. Mais euh, gros, c'est long, ton avis. Ouais, c'est bon. Je me suis décidé, j'ai mis dans Coup de ouf. Ok, ensuite, les gars. Allez, on, on va faire lui. Do Flamingo. Do Flamingo, les gars. Mec, pour moi, c'est... Pour l'instant, je pense, c'est mon méchant préféré. Dans One Piece. Hein. Je pense, à, après il y a Noire aussi que j'aime bien, mais en termes de flow, de son rire, son arrogance. De Flamingo, incroyable. Incroyable De Flamingo. Ah putain. Ah oh, là, il est dur le choix. Oh les choix, il est dur. En vrai, De Flamingo, c'est un, un, un petit nerveux. Hein, avec les dragons célestes et tout. Son daron, c'était un ancien dragon céleste. Il a voulu faire genre, il se rallie au peuple. Le peuple, il lui en a mis plein la gueule. Moi, c'est soit légende, soit masterclass. Après, est-ce on le met dans légende alors que c'est un méchant. Après, c'est un méchant légendaire quand même, tu vois. C'est un méchant légendaire. Il était intelligent avec le truc du smile. En vrai, avant euh, son, son arc et tout, c'était quand même le. Le corsaire le plus craint un peu et tout, mais est-ce que je le mets dans légende Do Flamingo En vrai, j'ai envie de le mettre dans les jambes parce que c'est un des persos que j'ai bien kiffé. Moi, pour moi, c'est un c'est perso légendaire de One Piece. En mode, tu vois les, tu vois que les lunettes de Do Flamingo, c'est iconique. Do Flamingo, il est iconique. Moi, je le mets dans les légende. Après, il y en a peut-être ils vont me dire c'était masterclass. Moi, je le mets dans légende parce que quand même c'est un perso iconique de One Piece. Moi, avant de regarder One Piece. T'en as qui me parlaient déjà de Do Flamingo et c'était c'est mon perso méchant préféré. Merci Frappinch pour, pour ta donnée. Merci beaucoup mon ref Merci pour ta donnée. Merci mon frérot. Merci beaucoup. Moi perso je trouve que Do Flamingo il est aussi mythique que Kaido. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais en termes de de charisme de tout frérot Do Flamingo je sais pas si je... en vrai moi je, je préfère Do Flamingo en méchant que Kaido pour l'instant. Après Kaido je le kiffe hein mais donc Flamingo, il, il a. Non, il avait trop de flow Même le combat à la fin, trop baisé, les gars. Trop baisé. <coughs> ok, les gars, on enchaîne. Bon, lui, euh, hop, on le met là. Dragon, le daron de Luffy. Le daron de Luffy. Où je vais pouvoir le mettre Le daron de Luffy. On l'a pas énormément vu. Euh, je sais pas si vous avez vu au début euh, de One Piece. Euh, Luffy veut passer euh, le port euh, pour aller sur Grand Line, je crois que c'était ça. Il veut passer le port où j'en sais rien. Tout son début de son voyage, il se bat contre Smoker et d'un coup il y a un éclair. Il y a un éclair et on voit, euh, on voit son Daron en fait. Mais à l'époque on savait pas que c'était son Daron. Et pour moi j'ai ma théorie. Je pense qu'il a le théorie, il a le fruit du temps. Et en mode il peut contrôler la météo. C'est vrai ça ou pas le chat euh, Moi les gars je vais pas faire le focus en mettant masterclass légende machin. On l'a pas assez vu. En vrai, de vrai, on l'a vu deux trois fois, frérot. On sait pas si. Moi, je pense que. En fait, je sais. Ça se trouve, il est éclaté. Non, il peut pas être éclaté. Mais en vrai, en termes de puissance, je pense qu'il est monstrueux. Je... Il doit être monstrueux. Mais quand on va le voir à l'œuvre, ça va être incroyable. Donc, je le mets dans pas assez vu. Mais, euh, est-ce qu'il a le fruit du temps Vous êtes. C'est ça ou pas C'est le sang. Merci beaucoup. Ouais, j'ai lu le dernier chapitre. Merci Cold Knight. Merci Assox. Est-ce qu'il a le fruit qui. Il peut contrôler la météo Je crois son fruit, c'est ça. Hein. Dragon, ça va être un goat obligé. Non, on ne connaît vraiment pas du tout son histoire. Enfin, on la connaît vaguement, mais on ne l'a vraiment pas assez vue. C'est l'ennemi de la marine, Théoriconi, fruit de la météo. Ouais. Non, son daron, l'éclair, c'est quand Luffy allait se faire assassiner. Bah oui, mais du coup, il a mis un éclair pour pas que Luffy meure, je crois, non Fruit du dragon météologique qui maîtrise le vent. Ah, vous vous pensez que c'est celui du vent Alors, du coup, j'ai une question. Si Et c'est vrai qu'il a aussi sauvé Sabo. Il a aussi sauvé Sabo. Mais si il a le fruit du vent, ça veut dire le tonnerre, c'est lui qui l'a mis ou c'est pas lui qui l'a mis C'est lui qui a mis le tonnerre. Quand le fils battait contre Moqueur, c'est lui qui a mis le tonnerre ou c'est pas lui Vous pensez que c'est lui Qui pense que c'est lui Qui pense que c'est pas lui Moi pour moi c'est lui. Et lui je pense c'est le mec le plus recherché du monde. J'aimerais bien savoir sa prime à lui. Je pense sa prime elle doit être je sais pas si elle est à la même ampleur que les empereurs, mais je pense qu'il doit avoir une sacrée, sacrée prime, lui, les gars. On ne sait pas, on ne sait pas, on ne sait pas. Moi, je pense que c'est lui, en vrai, de vrai. Hein. Ça m'étonnerait. Hein. Bah oui, c'est lui qui l'a mis, il a déplacé les nuages. Oui, c'est lui. Non, c'était pas lui, c'est le destin. Moi, pour moi, c'était lui, parce que comme par hasard, il était là. Ouais, pour moi, c'était lui. Oh là là, là 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 Oh là là les gars, y a un choix, y a un vrai choix à faire, y a un vrai choix à faire. Alors attendez parce que faut que je réfléchisse. Dans Goat on a dit on en met trois. Attends, je regarde tous les persos. Pas le chat, comme ça je me fais pas influencer. Je suis désolé, les gars. Il mérite sa place. Il mérite sa place dans God. Vous Ah ouais, vous le mettez tous dans les jambes. Mais pour moi, les gars, il mérite une de ses places dans God. Honnêtement, c'était incroyable. Il m'a fait trembler. Il m'a fait vibrer à Marine Ford quand il est comme ça. Quand il est comme ça. Non, mais il faut rappeler parce qu'il y en a qui ont peut-être oublié. Quand il est comme ça, il se prend un pic dans le ventre. Et il dit C'est pas grave mon fils. Non mais en fait, rien que ce moment-là, j'ai su que c'était un GOAT. Euh, pour moi, c'est un GOAT. Il, il mérite. Il mérite le GOAT. Les gars, il mérite le goat Il est monstrueux. Moi et... Attends, attends, on a oublié aussi un truc. Quand il meurt, c'est pas il meurt comme tous les personnages de One Piece. C'est pas... C'est pas genre il meurt, il tombe par terre comme ça. Il fait ah j'ai mal. Non non, c'est pas ça. Est, il est comme ça. Il meurt. Et il dit le One Piece il existe. Et il meurt debout. Non frérot, c'est un goat Pour moi, c'est un GOAT. Pour moi, c'est un goat. Ouais, merde, j'ai. Après, les gars, j'ai dit que Il y avait moyen que je spoil. Mais ça, c'était à Marine je me dis, c'est il y a longtemps. Pour moi, c'est un goat les gars. Il meurt debout. En fait, à partir du moment où tu meurs debout, je te mets dans la lignée Goat. À partir du moment où tu meurs debout, t'es dans gouttes Merci Ryan pour ta donnée. Merci mon ref. Goutte, aucun débat. En vrai, moi les gars, c'est mon choix. Ça se trouve, il y en a certains qui me mettent dans les jambes. Moi, honnêtement, c'est un de mes persos préférés, Barbe Blanche. Si ça ne serait peut-être même le deuxième per, mon perso préféré. <coughs> ok les gars. Euh. Francky. Alors elle, je sais pas. Francky les gars. Bah en vrai, Francky. Euh Franky, c'est un BG. Franky, c'est un BG de ouf. J'ai envie de le mettre masterclass mais ok. Alors attends, si on rétablit un peu ce qu'il fait, il a fait. Euh... Merci Cyril, continue de nous faire plaisir. Merci beaucoup, ça fait plaisir Cyril. T'es un crack. Euh, Franky, il a refait le Sony, il a essayé de réparer le le Vogue Mary. Euh, Franky, j'ai une théorie sur Franky. J'ai regardé des théories, j'ai regardé des théories sur Franky. Euh, j'ai regardé et j'en ai une qui qui m'a l'air pas mal. Euh, les gars, on est d'accord. Dans One Piece, il y a quatre armes antiques et euh, Franky, c'était le seul de l'animé à détenir le plan de Tom et le plan du Pluton. Euh, c'était euh, l'arme antique, Pluton. Sauf que le Cipina, elle voulait récupérer les plans et Franky l'a écrasé les plans. Du coup, logiquement, Franky s'est créé l'arme antique. C'est un cyborg. Donc ça veut dire il a les données, c'est sûr. C'est-à-dire que Franky, il fait partie de l'équipage de Luffy. Et il a, il a en tête les plans de l'Armantique. Donc, logiquement, Luffy, il a une arme antique avec Franky. Trois. Il y a trois antiques désolé, pas quatre. Désolé. Trois antiques Donc ça veut dire que euh, Franky, logiquement, il a Pluton. Donc ça veut dire que c'est un élément ultra important. Il les a brûlés. Ouais, il les a brûlés, mais... Gros, il les a brûlés, mais c'est sûr, il y a une dinguerie. C'est sûr, il y a une dinguerie en mode, il les a brûlés, mais il, il sait encore faire l'arme. C'est obligé. Sinon, ça serait pas logique. Je suis sûr qu'il sait faire l'arme. Impossible. Non, pour moi, Franky, les gars, c'est un robot, frère. Il a la moitié de son corps, c'est un robot. Euh, c'est sûr, il, a, il y a une dinguerie qui va se passer. En mode, euh, c'était le seul à, à savoir encore le plan de Pluton. Donc logiquement, euh, il est important pour l'équipage. Pluton, c'est celle que Crocodile voulait prendre à Alabasta. Ouais, je crois. Hein. Et il y en a qui ont pronostiqué que Pluton, c'était le Sony. Bon, ça, j'y crois pas. Est-ce que vous pensez que le Sony, c'est Pluton Non, c'est impossible. Si Sony, c'est Pluton, c'est trop baisé. Il les connaît encore. Moi, je suis sûr il connaît encore le plan de Pluton. Il l'a dans sa tête, c'est sûr. Il va avoir une dinguerie comme ça. Et il est obligé. Bon, après, moi, je voulais juste vous poser la question euh, à propos de Pluton et de Franky pour savoir un peu euh, ce que vous en pensez. Si c'est le Sunny ou pas. Euh, merci beaucoup. Un an que euh, GTZ est fini, tu reprends. Et ma Inox, maintenant un an que GTZ est fini, tu reprends. C'est quoi GTZ, mon ref? Merci, mon ref. <coughs> merci, Anto. Je suis malade, tu me donnes le faux rire. Merci beaucoup fan d'anime, t'es un crack. Il est pas que robot, il est humain aussi. Ouais, mais il est les deux. Pluton, c'est Vivi. Ah ouais Ah bah ouais. Moi je, moi je pensais vraiment que Pluton c'était euh, les plantes de Tom. Ah ouais. Bah après, je, je pense que c'est pas ça. Alors, <laughs> c'est Vivi, Pluton. Mais alors c'est quoi les plans qu'il a euh, C'est quoi les plans qu'il a, euh, Francky Bon en vrai Francky. Euh... <laughs> Je le mets dans les me dans les meilleurs de cool de ouf. Je les mets dans les meilleurs. Mais pas masterclass. J'essaie de pas trop spoil, les gars, mais Pluton, c'est le bateau. Ah ouais. Après tout ce que je dis, ouais, Pluton, c'est le bateau et tout, c'est que des gens qui pensent. Hein. C'est des théories. C'est pas du spoil, les gars. Pluton n'a pas été encore en montré. Merci beaucoup Marius. Pluton, c'est un bateau. Pluton, c'est Vivi. Mais pourquoi c'est Vivi Pluton, c'est Robin. <laughs> mais non, il dit de la merde. Ok, bon, on verra bien. Moi, pour moi, Pluton, c'est c'est un bateau. Après, je sais pas. Mais... Enfin, c'est une arme. C'est une arme. Ok, les gars, on enchaîne. Fini de papoter. Est-ce que le live vous plaît dans le chat Est-ce que le live vous plaît Vous passez euh, un, un bon moment Ok, les gars, Fujitora. <laughs> J'adore ce perso. J'adore ce perso. Il a fait un truc de ouf à Dressrosa. De toute façon, on l'a vu qu'à Dressrosa. Après, on l'a vu un peu après. C'est lui qui a voulu euh, arrêter euh, l'ordre des Chichibukai et que ça s'arrête, euh, qu'il y ait des, des pirates qui soient euh, avec la marine et tout. Euh, moi, je le mettrais dans Masterclass. Vous en pensez quoi Honnêtement, Fujitora, il prend son Masterclass. J'ai bien kiffé le perso. Je ne sais pas si c'est ce que vous en pensez, mais moi, je le mets, euh, je le mets dans Masterclass. <laughs> Pluton, c'est le chien de Mickey. <laughs> non, c'est plutôt bâtard. <laughs> Pluton, c'est une planète. Non, moi je le mets dans Masterclass Fujitora, j'ai ah, kiffé le perso. En plus je m'étais fait ban Twitch quand on l'avait vu. <laughs> surcoté de fou furieux. Ah ouais vous le mettez surcoté Moi je, je vois pas beaucoup de gens euh, parler en mode euh, surcoté de lui. Hein. Moi pour moi Masterclass. Hein. Je connais pas trop One Pill, Cool ou Masterclass Totalement d'accord. Waouh en vrai moi je le mets dans Masterclass en vrai. Baggy Oh Baggy les gars. Baggy c'est le premier méchant qui a affronté le fils. Si je dis pas de la merde... Euh... Peut-être que je dis de la merde. Le, Baggy, c'était un des premiers euh, vrais méchants qui a affronté Luffy, je crois. Ou le premier méchant avec un fruit du démon qui a affronté Luffy. Si je dis pas de conneries. Alors, Baggy, il y a des milliers de théories sur lui, les gars. Est-ce il fait le clown Mais en soi, il est ultra fort. C'est un monstre, sa mère. Il va tous nous choquer. Ou est-ce que c'est vraiment un clown Moi, pour moi, Baggy, c'est juste le mec drôle euh, du, du, du. de l'équipage de Roger. Donc, en vrai. En vrai, moi, Baggy, je le kiffe. En vrai, Baggy, il a aidé Luffy à euh, Impel Down. En vrai, est, il est cool comme perso, en vrai. Non, c'est à la. Deuxième De quoi deuxième Ah, c'est le deuxième À la vida, c'était le premier Ok. C'est le deuxième, alors. Ok, ok. C'est la femme sur le bateau de Kobe. Ok, ouais. Euh, pff, Baggy. Baggy. En vrai, euh, moi, Baggy, en vrai, je, je le mets dans... Je sais pas si je le mets dans Masterclass ou Cool de ouf, mais je pense que je le mettrais plus dans Cool de ouf que dans Masterclass. Parce que je le kiffe, mais en soi, euh, il m'a bien cassé les couilles au début de One Piece. C'est juste après que je l'ai bien commencé à l'aimer. Moi, j'ai ai bien aimé Baggy euh, à partir d'Impel Down. Mais sinon, euh, je le mets dans Cool de ouf. Quoi. Vous en pensez quoi, vous les gars Cool de ouf ou pas il y en a peut-être qui vont le mettre légende ou masterclass, mais je sais pas si si entre Baggy et Garpe, il a le droit d'aller dans légende et entre Baggy et et et, euh, et Brooke et tout, je le mets au même niveau, t'as vu. J'essaye de pas spoiler. Ah ouais, vous le mettez légende Baggy sur côté, vous le mettez Baggy, c'est le Toby de Naruto. Ah ouais, vous vous pensez qu'il va retourner sa veste et c'est un monstre. Merci fan d'animé, merci. Vous pensez qu'il va retourner ah ouais non moi je le mets dans cool de ouf en vrai de vrai il avait ski toutes les attaques de Miwoks c'est vrai en vrai on a oublié ça en vrai il, en vrai son -démo, il est insane hein. sur côté Baggy en vrai moi j'ai jamais vu des gens qui disaient trop euh, incroyable machin euh. Baggy va avoir un éveil de ouf bon vas-y je le mets dans cool de ouf en vrai Usop Usop les bergers merci Lolo Usop les gars vous le mettez où eh les gars Usop en vrai Usop c'est le seul avec un ami euh, mais c'est le seul vrai humain de l'équipage. Et encore, Usopp, je sais pas s'il est aussi fort que Nami maintenant. Parce que Nami, euh, avec le bâton, je vais pas dire, je vais pas spoiler. Euh, pour ceux qui n'ont pas vu les scans, mais... Euh, machin. Usopp, moi je le kiffe, putain. Usopp, il y a trop de scènes incroyables de Usopp. Il y a trop de scènes incroyables de Usopp. C'est Masterclass direct, Usopp. Hein. Direct. Limite, c'est God. Attends, je vais le me mettre dedans. God. Hop, il a le droit à sa. Il a le droit à sa, à sa, à sa, à sa casse, Les gars, on lui met God, God Usopp, les gars. Juste pour ça. En vrai, Usopp, les gars, c'est un perso. Moi, je me suis trop attaché à lui. Même ce qui s'est passé avec... Euh, euh, dans le bateau, il s'est embrouillé avec Luffy. Même, attends, est-ce que vous vous rappelez de la scène Pour moi, la meilleure scène de Usopp... C'est quand il fait, quand il crie là, Agnès Lobby Est-ce que vous vous en rappelez de cette scène le chat? Quand il, il y a le fils qui est à terre là et il crie sa mère, et il insulte le fils. Non, incroyable, incroyable. Cette scène est incroyable. Oh mais je le mets dans God, God ou Sop. Non mais God les gars, ça veut pas dire en mode Dieu c'est le meilleur. Hein. Je le mets juste, je lui fais sa colonne à lui. Il a droit à sa colonne. <laughs> il a droit juste à, à, à sa colonne. T'as changé? Qu'est-ce que j'ai changé mon ref? God ou Sop? Pourquoi vous mettez point d'interrogation les gars? Sur côté, remets Goat pour bébé. T'as deux fois God. Ah merde Goat, pardon. Ah oui, j'ai fait de la merde. Big fraud de ouf. Mais Après, moi je l'aime bien en vrai ce perso là. T'as écrit deux fois God. Moi ouais, j'ai pas fait exprès. J'ai pas fait exprès. Non, vas-y, je le mets pas les jambes, les gars. Je lui fais sa petite case God parce que je kiffe Usopp Ah ouais mais frérot, venez en garde pour la fin lui. Venez on le garde pour la fin lui on, on, on le garde pour la fin On le garde pour la fin On le garde pour la fin Ok c'est pas Usopp c'est King. Ah oui c'est King. Non Sogeking non mais, non, mais les gars C'était Usopp d'A.N.S Lobby qui criait <laughs> C'était pas C'était pas Sniper King hein, qui criait les gars <laughs> Respect la religion par contre Tu dis Dieu c'est pas n'importe Ah c'est pour ça que vous Ah désolé désolé non, quand j'ai dit God, quand j'ai écrit God, c'était pas en mode euh, ⁇ irrespect religion ⁇ c'était dans l'animé, ils disent God ou Sop et tout, c'est juste ça. Si vous voulez, je mets... Euh, je mets... Euh, sniper... Il euh, euh, faut que je mette une case, mais... C'est pas une question de... Euh, je voulais pas respecter la religion, les gars. Hein. C'était juste... Dans, dans, dans l'animé, ils disent ça. J'écris quoi, du coup, alors Non, non, c'était pas... Je voulais, inf... je voulais rien dire. Hein. C'est bon, au calme. Euh... Ok, ok, ok. Non, non, c'était pas une question de. J'ai rien dit, les gars. Je vous, ju... je... Je vous jure, j'ai rien dit. Ils ont pas la ref. Non, en fait, les gars, c'est une référence dans le, dans le... Dans le... Dans le... Dans le film. C'est bon, je... je lui fais une case. Je mets rien. Je mets BG incontestable. Désolé, les BG. Hein. Pour ceux qui n'avaient pas la ref, c'était un... un truc dans One Piece. Désolé, le chat. Hein. S'il y a des gens qui. Ok, Boa Hancock les BG, euh, Boa Hancock euh, on va la mettre euh, dans, en vrai cool de ouf, hein. Masterclass je sais pas si je mets Boa Hancock dans Masterclass en vrai, mais par contre elle a de ses Cénibar... euh, pardon, euh, cool de ouf, quoique en vrai il devrait lui créer une case à elle aussi. Hein. Okay, parfait. Alors, prochain perso. <laughs> ah les gars, elle est masterclass. Elle est masterclass. <laughs> non, elle les gars, elle a le droit à sa case, elle est incroyable, non, il faut le dire. Il faut le dire. Arrête de créer des cases. C'est bon, après j'arrête de créer des cases. Laissez laissez-moi juste créer une case. <laughs> Mais aussi Nami. <laughs> Masterclass Gronibar. <laughs> Respecte-la, s'il te plaît. Bien sûr que je la respecte. Elle est incroyable. Elle est incroyable. Ah ah. T'as mis incontestable. Bah oui, mon ref. Incontestable. Ouais, T'as compris, t'as compris. Incroyable. Non, en vrai de vrai, si on devait être sérieux, euh, je la mets dans Cool de ouf. Jamais dans Cool de ouf. <laughs> Dénette. Non, en, en vrai, mets dans Gronibar. <laughs> Toutes les meufs vont aller dedans. Ah ouais, dans One Piece, les gars. Euh, Gronibar. Ok, les gars. Ensuite. Euh, ça, c'est un des mecs euh, de comment... Euh, c'est quoi C'est dans le zoo. Oh Alors là, peut-être qu'il y en a qui vont m'insulter. Mais je vais... Nikamamoshi, ou je sais plus comment il s'appelle, mais lui... Et lui. Je les mets là. Est-ce que vous m'autorisez à faire ça Est-ce que vous m'autorisez à faire ça Franchement, il faut le dire. Alors, il y en a beaucoup qui m'ont dit que Zo, ils n'ont pas kiffé du tout l'arc. Mais pour moi, l'arc Zo, quand les deux qui sont assis, et que là, je, je sais plus quand Jurok qu arrive, as les samouraïs arrivent avec Momonosuke. Ils arrivent et font Est-ce qu'il est là le samouraï Et qui dit Bien sûr, il est là. Les gars, j'ai eu des frissons. Tous mes, tous mes Zo, ils frissonnaient carrément. Il craquotait Ma moelle osseuse Elle craquait Incroyable Mec ces deux persos j'ai les ai kiffés de ouf J'ai kiffé de ouf ces deux persos En vrai moi je préfère le chat que le chien Dans, dans l'animé, Mais euh, Honnêtement Limite légende Mais pas légende Parce qu'on peut pas abuser J'ai mis dans Masterclass Parce que franchement Incroyable Même à Wano J'ai kiffé de ouf Les deux à Wano aussi hein, Ils sont incroyables hein. je, je parle pas juste pour Zo hein, Mais incroyable Ok les gars euh, Elle c'est ouais, Elle Oh non elle Ok elle lui Lui les gars c'est un mec de du, du, l'équipage de Kaido. En vrai, moi, je le mets dans fils de pute. Oh, lui, mec, il a aucune pitié. Il a, il a niqué toute la tribu euh, des Minks et tout. Euh, pff, oh, fils de pute. En plus, je comprends pas. Alors, il y a un truc que j'ai pas compris. Est-ce que le chat, vous êtes d'accord avec moi Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que lui. Je sais plus comment il s'appelle, là. Mais il se transforme en mammouth, là. Je sais plus comment il s'appelle. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que c'est pas normal C'est Jack, voilà. Est-ce que vous êtes d'accord que Jack, il n'est pas censé avoir survécu à l'attaque de Zunesha Est-ce que vous êtes d'accord avec moi que ça, j'ai trouvé ça nul Ça, je vous le dis, j'ai trouvé ça claqué que Zunesha, il les envoie balader au fin fond de l'océan et le mec, il survit. Moi, moi, en vrai, je trouve pas ça normal. Est-ce que vous êtes d'accord Je crois qu'il s'est fait. Je vais rien dire. Il y en a qui n'ont pas lu les scans. C'est un homme poisson de Jacques. Hein Alors là la tête d'homme, j'ai loupé un épisode. C'est un homme poisson Il a attaqué la marine, et fait tomber deux bateaux. Mais attends, c'est un homme poisson et il a un zoo mythique. Il a pas un zoo mythique, il a juste un Zoan. C'est un homme poisson Et même un homme poisson avec un fruit du démon, il peut, il peut nager. C'est un homme poisson, c'est pour ça Ah, il peut respirer dans l'eau. Attends, mais vraiment, c'est vraiment un homme poisson Ah bah, ben, un truc que j'ai pas suivi. Mais attends, quoi Vous me trollez Le chat, vous me trollez Ah, j'ai pas de connexion sur l'ordi là. <laughs> j'ai plus de connexion, je peux pas regarder. Putain, je savais pas. Je savais pas que c'était un homme poisson. Je savais pas. Mais non, c'est pas un homme poisson, vous me trollez. Il peut pas manger, juste il reste. Nager, il peut. On te dit n'importe Ouais, non, vous me dites n'importe Vous, m'd... En fait, les gars, je suis naïf comme mec. Arrêtez de me prendre pour un con. Théorie, il peut respirer sous l'eau mais pas nager. Bon, je, je regarderai, mais je pense que vous me trollez. Non, il a... Mais non, il a un smile. Ouais, je, je pas compris en tout cas. Il peut pas nager, mais il peut respirer. Bon, on verra. Vous êtes vraiment des bâtards en vrai. <laughs> Et bah, attends. Parce que là, j', là, là j'ai failli croire que c'était un homme poisson euh, tardjimé. Tar, hein euh, les gars, vous avez failli me niquer. Hein ok, lui, les gars. C'est un mec de l'équipage de Barbe Noire. Euh, on le met où On le met où là On le met où ce mec là euh, il était venu chercher le fruit de Luffy euh, sur Dressrosa. Il était venu euh, pour niquer Luffy quand Luffy il était en train de se régénérer. Euh, Sabo, il lui a enculé, il l'a enculé Sabo. Euh, donc je le mets moi en vrai son per ce perso là il me place un peu les couilles. Je le mets dans bof. Moi je le, je pense que je vais le mettre dans bof. C'est un mec de l'équipage de Barbe Noire. On l'a pas énormément vu. Merci Destroby. Vas-y bah je te crois alors. Ok bah si c'est vraiment un homme poisson ok je je vous crois le chat. Ok, ok, ok. Euh, ouais, moi je le mets dans bof les gars en vrai. Bergers, ouais, bof. Bof. Bof bof bof. Ok, ça je vire, ça je vire. Ok, Jimbe. Jimbe, Jimbe, Jimbe. Oh non, 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 Jimbe. Jimbe, mais quel crack. Jimbe, c'est quand même un un crack dans One Piece. Hein. Là, là, en fait, je sais pas. si... En fait, en fait je pense que Jinbe, il mérite sa place en légende. En vrai, en fait, je pense que Jimbe mérite quand même sa place en légende. En fait, c'est soit légende, soit masterclass, ça c'est sûr. Mais est-ce que le mettre en masterclass, c'est pas mé méchant en mode il mérite sa place en légende? Mec, Jimbe, c'est quand même. Je crois que c'est le paladin des mers, il est appelé, non? Moi j'ai bien envie de le mettre en légende les gars Jimbe. Je, je vois dans le chat, il y en a, il le mettrait bien en masterclass. Moi Jimbe, euh, incroyable les gars. Quand, attends, il faut rappeler une scène. Parce que je crois qu'il y a une scène qu'on a oubliée. Quand le fils dit tu rejoins mon équipage. Et y a Big Mom elle dit je te prends toute ton espérance de vie. Jim Jimbe, regarde Big Mom droit dans les yeux. Big Mom, elle essaye de, de mettre son fruit du démon. Big Mom elle n'arrive pas. Parce qu'en fait, pour que Big Mom... Elle aspire l'espérance de vie, faut que le mec ait peur. Et Jim il dit, j'ai pas peur. Je suis le futur mec de l'équipage du... Oh non, incroyable, incroyable, masterclass, putain, masterclass. Merci Raphaël pour ta donnée. Merci beaucoup. Même il a fait plein de trucs pour la cité des hommes poissons et tout. Moi j'ai kiffé Bay, les gars. Moi, je le mets, je le mets légende. Il a regardé minimum dans les yeux sans broncher. <coughs> il y en a, ils mettent surcoté, Ah ouais, moi je trouve. Moi, je kiffe Jimbe, hein. Mais tu es fou. <laughs> il y en a, il me dit, mais tu es fou. Mais c'est légende. Jimbe, wesh, il a aidé Luffy. Ouais, mais après, les gars, il y a plein de gens qui ont aidé Luffy. Tu peux pas mettre tous ceux qui ont aidé Luffy dans les filles dans légendes Mais pour moi, incroyable. Il a sauvé Luffy à Marineford. Il a fait plein de trucs. Ok, les gars, on enchaîne. On enchaîne. Allez, on va, on va prendre qui Bon, lui, euh, gros c'est un mec du CP machin. Nul. Euh... Oh là, on a deux trucs euh, assez cool. On a deux persos assez cool euh, qui s'enchaînent. On a Kaido. Face à nous, euh, Kaido. On va commencer avec Kaido, les gars. Pour ceux qui n'ont pas suivi les scans, je vais essayer de pas trop spoiler ce qui se passe dans les scans. Euh, ok, les gars, Kaido, on l'a vu beaucoup sur euh, vers la fin de One Piece et tout, enfin euh, vers où on en est, quoi. Euh, Kaido, qui, on, on l'a vu vers la première fois quand il essayait de se suicider euh, du ciel. Bon, chacun ses théories. On va rien dire, les gars, s'il vous plaît, pas de spoil. Merci à tous ceux qui ne spoileront pas. Euh, Kaido, à ce qui paraît, c'est le, le, un des empereurs les plus forts. Je crois que c'est l'empereur le plus fort en force, euh, en force euh, naturelle. Mais Kaido, je pense qu'il va, il va, il va finir dans légende. Pas god. Masterclass, ça serait... Ça serait bad de le mettre en masterclass, en vrai. Je pense que je pense Kaido, Kaido c'est soit meilleur des masterclass, soit légende. Mais... Parce qu'en vrai, on l'a pas tant vu que ça, les gars. On l'a vu à Wano. Il est monstrueux. Son fruit du démon, il est incroyable. Mais en soi. Euh... Je sais pas s'il mérite sa place dans légende. Vous en pensez quoi, les gars, vous Parce que moi, pour moi, on ne l'a pas assez vu pour le mettre dans légende. Tu vois, où, où on l'a vu, mais. Tu vois, euh, Do Flamingo, frérot, je pense qu'il mérite sa place en légende. Moi, moi, je le vois plus en masterclass. Euh, dans le meilleur des masterclass, Kaido. Mais Kaido, il est emblématique. C'est pour ça que j'ai envie de le mettre dans les jambes. C'est soit je le mets dans les jambes parce qu'il est emblématique et il est trop fort et voilà. Soit je le mets dans Masterclass parce que je pense que... Pour moi, c'est Masterclass. Hein. En plus, on ne juge pas la force, on a dit, tu vois. Donc en termes de perso, perso, moi, en vrai, je le mettrais plus dans mon Masterclass. Il est incroyable. Il est unique. Bah oui, mais après, ils sont tous uniques hein, dans les jambes. Goat il a 1v1 tout au oui mais les gars on, on parle pas de la force on parle du perso en vrai légende t'es un fou non légende légende il a battu trois fois Luffy. ouais ouais il a battu trois fois Luffy, mais Goat tous les jours légende il va mettre tout le monde en légende bah ouais en fait j'ai pas envie de mettre Kaido en légende parce que il a en fait c'est juste qu'il est trop fort Kaido mais sinon en soi euh, on l'a pas assez vu pour que je dise que je... Pour, pour moi, que ça soit une légende. Après, il est trop badass, oui, mais moi, je le mets dans meilleur des masterclass, hein, Kaido. Après, je kiffe Kaido, les gars. Mais c'est juste que, frère, quand je, je mets les 4 là en légende, je me vois pas mettre Kaido à côté juste parce que c'est Kaido. Ben après, voilà, les gars, là, vous avez le droit de m'insulter. Pour ceux qui pensent, vous avez le droit de m'insulter. Il y a des mecs que je vais mettre en légende qui, qui méritent plus que Kaido. <coughs> Goat, c'est un vrai pirate ouais bon bah les gars là il y aura des désaccords malheureusement je sûr il y en a qui vont pas être d'accord avec moi les gars euh, après voilà chacun ses goûts vous, vous l'aurez mis en master en légende je peux comprendre en vrai mais moi j'ai mes masterclass parce que je l'ai pas assez vu et tout et voilà ok les gars oh lolo. alors s'il vous plaît dites un mot dans le chat Oh non, attends, attention, spoil, attention, spoil, 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 coupez euh, pendant 10 secondes ce, ou pendant juste ce perso, tous ceux qui ont pas vu One Piece, coupez deux secondes, je vais parler de ce perso, euh, mutez le son, spoil, 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 1, 2, 3, plus gros des fils de pute de la planète Terre, en plus vous m'aviez spoil sur un de mes lives que c'était un putain de traître, la tête de d'homme, traître, outre-traître, outre-traître, gros, gros chien, plus gros des fils de pute, encore, encore, Devant lui, là, hein, gros fils de pute. Gros, quand ils vont aller vers la. Quand ils vont dans l'île de. De Kaido, et que le mec, il retourne sa veste, au dernier moment, quel fils de pute. Mais j'ai dit que j'allais spoil. Je l'ai dit. J'ai prévenu, les gars. J'ai prévenu que j'allais spoil. J'ai dit, attention, spoil, spoil. Allez, salut, les gars. Vous avez tous le droit de l'insulter, le chat. Vous avez un ah, Défoulez-vous dans les commentaires. Défoulez-vous. Vous avez tous le droit de l'insulter. Mec, les gars, non, mais c'est vraiment un chien, lui. Trahir, mais en vrai, à la fin. Non, non, traître. C'est le pire des défauts d'être traître. Oh, non, non, c'est bon. Quand Juro ça le chien, frérot. C'est bon. Fils de pute. J'ai envie de le fracasser. Y'a un mec, il a mis Masterclass. Légende. Légende. Le pire. Ah, ouais, non, frérot. Quel chien. Ah, non, lui, c'est vraiment un chien. Ok, les gars. Ouf. Oh les gars, oh, oh you, 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 you. Katakuri, Katakuri, Katakuri. Tu vois là, là ça va m'insulter. Là ça va m'insulter. En vrai, en animé, le combat Katakuri-Luffy, euh, euh, il, il, il était d'art, il était incroyable. Même si le début était un peu long. Putain, là je sais pas où le mettre. Katakuri, j'hésite parce que Katakuri, les gars, c'est une masterclass. En fait, le mot est masterclass. Mais en fait, il, il a perdu son combat comme une légende. Genre, Luffy. Je crois que dans le combat, il y a un moment, Luffy, euh, il se fait. Euh, il, se fait euh, il, y a, il y a sa petite sœur, ou j'en sais rien, qui lui envoie une un, un truc empoisonné, ou je sais plus quoi, et qui le blesse. Et Katakuri, il s'est rendu compte que pendant son combat, quelqu'un d'extérieur avait tapé Luffy. Et du coup, il a pris un truc, et je crois qu'il il, s'est auto-kill. Je dis de la merde ou pas Je crois qu'il s'est auto-blessé. Frérot, c'est. C'est une masterclass. Une... En fait, légende, je ne sais pas, parce que ne l'a pas vu beaucoup. C'est pareil. Si je ne mets pas Kaido en légende, je pense pas que je peux mettre Katakuri. Mais le combat, le fit Katakuri, en, en fait, l'état d'esprit de Katakuri est monstrueux. J'ai envie de le mettre premier des masterclass. Donc ça veut dire que je ne le mets pas légende, mais je le mets premier des masterclass, en mode... En mode, il mérite sa légende, mais il est premier des Masterclass. Parce que, en vrai, légende, les gars, on l'a vu qu'un combat contre Big Mom. Euh, voilà, il, il a fait juste un combat contre Luffy. Le, le mettre légende à côté de mec des persos comme ça, bah, tu vois, Katakuri, en termes de combat, c'était incroyable. Mais le perso en lui-même, je peux pas le mettre légende. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais en tout cas, moi, je le mets premier des Masterclass parce que son combat contre Luffy, il était légendaire, gros. Légendaire. En fait, le perso est légendaire. Mais le mettre dans légende, je sais pas. Si si légende large, pour ce qu'il a fait légende. Ouais, bah oui, pour faut même pas réfléchir. Mais en vrai les gars, permettez-moi de le mettre premier des masterclass. C'est 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 légende. Mais juste légende frère voilà, mais le légende. <laughs> légende premier des masterclass. En vrai, si je le mets premier des masterclass, est-ce que ça passe Parce que en vrai, les gens gros, je mets Do Flamingo à côté de Katakuri. OK, Katakuri il est monstrueux et il est légendaire, mais Doflamingo, il est légendaire aussi. 10 fois légendaire. Légende t'abuse. Légende de ouf. Non, Masterclass, Class bien. Doflamingo est pété comparé à Katakuri. Mais les gars, on ne juge pas la force. Moi, je juge moi, je juge selon mes goûts le, le perso en globalité, tu vois. Moi, je trouve que je suis totalement d'accord avec vous. Katakuri c'est une master class, il est légendaire le perso. Mais le mettre dans la case légende à côté de Garp, je pense pas. <coughs> dernier, créer une case les lé, lé, légendes. <laughs> Mais j'ai déjà mis. Non, dernier des légendes. Bon, je laisse comme ça. On rectifiera peut-être à la fin. Mais pour l'instant, je pense que c'est dark. Pour l'instant, j'ai rien mis en sous-côté. Vous inquiétez pas, je vais en mettre. Je vais en mettre. Je, je sais déjà que je vais mettre en sous-côté. En sur-côté sous euh, hop, ça, hop. Euh, hop. Ok, ça, c'est un des, des fourreaux. C'est un des, des sept fourreaux, je crois, euh, de Wano. Je l'aime bien. C'était celui qui était emprisonné dans la prison de Wano. En vrai, les gars. Je le mets dans cool de ouf ou dans bof Dites-moi, parce qu'en vrai, j'hésite entre les deux, les gars. Mais une case incroyable. Même goutte pour Katakuri frère t'es beaucoup trop long c'est chiant bah je suis désolé les gars j'essaye de faire euh, katokuri 100 fois mieux que do flamingo en vrai je suis pas d'accord en vrai je trouve que do flamingo les gars euh, les, enfin le, le perso do flamingo je préfère do flamingo euh, à katakuri bof 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 ok bof ok les gars euh, kid oh kid les gars kid 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 en vrai moi je vais vous dire honnêtement Kid, Lo, Luffy, c'est les trois euh, qui s'étaient échappés là des Sabaudis là euh, quand il y avait eu euh, la patate du Dragon Céleste. Euh, en vrai, les gars, Kid, euh, c'est pas un, un perso que j'affectionne tant. Je l'aime bien, je pense, que je le mettrais dans cool de ouf, euh, mais pas euh, au-dessus, en vrai. Je sais pas ce que vous. Vous vous le mettez masterclass Kid. Ouais, non, vraiment les gars, je ne suis pas un fan de kid de ouf, tu vois. <coughs> Légende, cool, cool. Cool de ouf. Cool de ouf. Masterclass. Et en vrai, il y a énormément de perso Je pense qu'on va aller un peu plus vite, les gars, sinon on en a pour 10 jours. Euh, je vais essayer d'aller un peu plus vite. Moi, kid, les gars. En vrai, de vrai. Euh, J'ai envie de le mettre. Je pense que je vais le mettre cool, tu vois. Cool ou. Ou bof, tu vois. Kid, la plus grosse fraude de la génération terrible. Ouais, tu, moi, tu vois, je le mettrais dans bof. En vrai, si je suivais mon instinct. Euh, gros, tu regardes Luffy et Lo. Moi, j'ai l'impression que Kid, c'est le plus nul des trois. Euh, en termes de perso. Hein. Après, on connaît pas trop euh, Kid, mais quand tu vois Lo et Luffy, euh, voilà. Ok, lui, les gars, c'est euh, un mec de Doux, lui. C'est un mec de Kai. Ah merde, bah tant pis. Ok, Kanjuro, les gars. Ah non, c'est pas Kanjuro, putain. C'est euh. Comment il s'appelle déjà lui Mais putain, en plus il est connu. C'est celui qui a amené Mononozuke. Comment il s'appelle lui, putain J'ai en... oublié son blaze, les gars. Merci beaucoup, Feni, Merci, mon frérot. T'as un crack. Merci, mon frérot. Qui est un crack dans les scans. Ouais, mais j'ai lu les scans, les gars. Tu as lu les... Mais gros, c'est pas parce que... Attends. Attention spam. Attention. Spoil, 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 spoil. Spoil. Spoil les gars. monde Voilà, ouais, je m'étais tombé, monde Ok, spoil. Attention, spoil. Attention. Dans 3-2-1, je dis un spoil. Ne, ne regardez pas cet extrait. Ne regardez pas ce que je vais dire. Ne lisez pas ceux qui n'ont pas lu les scans. Euh, les gars, c'est pas parce que Kid et L'o ils ont éclaté euh, 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 Big Mom que je mets Kid en masterclass avec L'o mais j'ai lu les scans Mais ça, ça change pas Que qui, en vrai Moi j'aime pas trop en vrai <laughs> Voilà C'est bon j'ai fini J'ai fini c'est bon C'est bon vous pouvez revenir les gars Vous pouvez revenir <laughs> eh, je, En vrai les gars J'essaye de prévenir Quand je spoil Comme ça au moins y a, Je peux pas spoil trop de gens <laughs> Kinemon trop drôle Ou ouais, en vrai Cool Cool de ouf Kinemon Cool de ouf En vrai euh, C'est un de mes préférés C'est un de mes préférés De, de Des fourreaux et tout <laughs> Éclater c'est un grand mot Ouais, c'est un grand mot. Bah, si, justement, bah non, c'est pas parce que. Euh, tu peux pas le mettre bof. Bon, après, c'est. Gros, sais, après, c'est mes goûts, en vrai, mon, mon ref. C'est quoi les scans C'est les, les livres. Enfin, c'est en mode. C'est avant l'animé. Ok, les gars. Il mérite cool de ouf en Sarkid. Bon, vas-y, je le mets cool de ouf. Mais euh, pour moi, c'est le. Je le mets là, tu vois. Parce que c'est pas un perso que j'affectionne tant. Ok, ça c'est Pika ou pas C'est Pika ou c'est un des sbires de, de Kaido Lui, je crois que c'est Pika ou un des sbires de Kaido. Euh, dans tous les cas. Euh... Ah, c'est celui qui s'affronte contre Zoro, je crois. Je crois que c'est celui qui s'affronte contre Zoro. Est-ce que c'est lui qui s'affronte contre Zoro, le chat Vas-y, on va essayer d'aller plus vite. Je vais essayer d'aller plus vite, les gars. Euh, comme ça, ça vous fait pas chier. Je suis désolé, les BG, si c'est un peu long. Euh... Les gars, lui, il s'affronte contre Zoro. Euh... C'est soit Pika, soit c'est celui qui s'affronte contre Zoro. King. Ouais. Vous avez pas vu Ah, ok. Je spoil pas. Je spoil pas du coup ce qui s'est passé. Euh, mais dans les scans, incroyable. En, en vrai, je, je pense que je mets cool de ouf en vrai. Cool de ouf en vrai. Cool de ouf. Le combat était cool. Bras droit de Kaido. Ouais, ouais. Moi, je mets cool de ouf en vrai. <coughs> Merci. Merci beaucoup, Nico. Merci pour ton sub. Merci, mon frérot. Ça fait plaisir. Merci beaucoup. Ok, Kizaru, les gars. Kizaru, c'est le fruit de, de la lumière, si je, si je dis pas de conneries. Ah, Kizaru, les gars. Euh... Soit Masterclass, soit Cool de ouf. Je pense Kizaru, quand même, il mérite sa place en Masterclass, les gars. Je crois il s'était battu contre Rayleigh, je crois. Je crois il s'était battu contre Rayleigh. Je pense Masterclass, hein. Kizaru, je le mets Masterclass, je pense. Merci beaucoup, Lewandowski, pour ta donate. Kizaru vous le mettez master class ou pas? Moi je pense master class hein. Surcoté? Ah ouais surcoté? C'est -ce vrai qu'on l'a pas utilisé la classe surcoté? Oh les gars en vrai Kizaru je pense pas qu'il est surcoté. Je pense qu'il est quand même très très fort. Hein. Je pense que quand même parmi les admiraux euh surcoté? Ah ouais vous vous pensez qu'il est surcoté? Ouais mais il remonte remonte là au Kidji alors. Level Kid. Il a lavé Sabaudi. à lui tout seul, les gars, il a tout lavé. Après, on ne juge pas sur le fort, mais moi, moi j'aime bien le perso en vrai. Moi, je le mettrai en masterclass en vrai. Après, peut-être qu'il est, il est surcoté en vrai, pour certains. Ok, ça c'est la, la pote à sabot. Hop, je la mets là. Euh, lui, je sais plus c'est qui. Kuma. Oh, les gars, Kuma, on le met où Kuma. Moi, je le mets masterclass, hein. Je pense. Kuma. Masterclass ou pas Kuma les gars Masterclass. Il mérite sa masterclass. En mode Kuma en plus on sait pas ce qui lui est arrivé là avec la rêverie. J'ai pas vu. Mais Kuma je pense euh, il mérite sa petite place en masterclass. Pour ce qu'il a fait au Saba Oji là, euh, il les a tous éparpillés. De base je pensais que c'était méchant mais en fait c était, c était, ça partait d'un bon truc. Donc moi Kuma je le mets masterclass. Pas assez vu Non avant on l'a quand même bien vu Kuma. Moi je le mets masterclass hein. Je le mets masterclass, hein, je le mets là. Masterclass de ouf. Kuma masterclass, Voir légende. Non, cool de ouf. Non, Kuma, Masterclass, je pense. Légende, il a suivi. Il a sauvé les Mugiwara Ouais, il les a suivi mais. <coughs> il les a sauvés, mais bon. Ouais, en vrai, je préfère Je préfère Aokiji que Kizaru, en vrai. Si, si je devais inverser les deux, je ferais plus Aokiji là et Kizaru là, tu vois. En vrai, de vrai. Si on doit être vraiment logique. Après il a fait un vrai sacrifice. Mais je vais mettre masterclass parce que Katakuri et Kaido je les ai mis en masterclass donc je ne vais pas le mettre légende t'as vu. Mais c'est vrai qu'il a créé un arc à lui tout seul. Hein. C'est un crack. Hein. Mais eh, vous, vous 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 mettez beaucoup de gens légende le chat. Moi légende je voulais pas mettre trop de gens parce que si on, on met vraiment légende moi je lève les, tous les gens les, je mets tous les mecs légende là-haut. Mais le but c'est pas qu'il y ait trop de monde en légende on est d'accord. Parce que sinon je les mets, je, Les 4 là, je les mets légende. Mais c'est nul si on met tout le monde en légende. Vous êtes pas d'accord, le chat Dites-moi honnêtement. Parce que en vrai, si on met tout le monde en légende, ça va être chiant. Vas-y, eux, on s'en bat les couilles. Je vais prendre l'eau. Oh l'eau. Bah. L'eau, l'eau, moi je le mets en légende, par exemple. L'eau, c'est un de mes pressos préférés. <coughs> l'eau, je le mets en légende ou pas Est-ce que je le mets en légende Est-ce que je le mets en légende Ouais, je vais le mettre en légende. L'eau, je le mets en légende. Son histoire, elle est incroyable. On a le background du personnage, incroyable. Mais vous, vous, vous avez raison, faut pas abuser du légende. Pour moi, pour moi, faut pas abuser du légende. Kuma, je l'aurais mis légende. Parce qu'il a sauvé le bateau du Mugiwara. Il a, il a éparpillé tous les Mugiwara, machin. Mais maintenant, regarde, l'eau, je le mets en légende. Pourquoi Parce que on a toute son histoire. On sait tout son passé avec sa maladie. Euh, on sait, il s'est fait sauver par Corazon, euh, machin. Il a sauvé Luffy. Je sais pas combien de fois. Euh, c'est lui dans, dans le sous-marin. C'est lui qui a sauvé Luffy. Qui, qui a réanimé Luffy. Moi, je le mets dans légende. Surcoté, Masterclass. Ah ouais, vous aimez pas l'eau Moi, moi, moi l'eau, je le mets légende. C'est One Piece ou c'est en général Non, pour moi, c'est le perso en général. Goth, t'es un fou. Masterclass. Plus triste passé. Mec, l'histoire de l'eau, elle est magnifique, les gars. C'est pour ça que je le mets dans légende. Mais moi, j'ai. Euh, j'ai un, 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 une théorie, de chat. Est-ce que, parce que l'eau est en alliance avec Luffy, est-ce que vous trouverez pas ça incroyable? Dites-moi si vous trouvez ça incroyable ou pas. Est-ce que vous trouverez pas ça incroyable que l'eau à la fin de One Piece, ou à un moment décisif, il trahit Luffy? Est-ce que ça serait pas, si Oda il fait ça, c'est incroyable. Je kiffe l'eau, j'ai pas envie qu'il trahit Luffy, mais pour l'histoire, ça serait trop baisé. Parce qu'en soi, ils sont juste alliés, il est pas dans l'équipage. Donc à tout moment, il peut le trahir. Donc, il y a peut-être moyen un jour que l'eau trahisse Luffy. Est-ce que vous pensez que c'est possible ça Non, l'histoire de l'eau, elle est insane, les gars. Je le mets dans les jantes juste pour son histoire, son background. Le plus triste passé, c'est Sanji, les gars. Ouais, il y a un mec dans le chat qui a dit le plus triste passé. Je pense que Sanji, quand même, il a un passé. Euh, je pense qu'il est aussi triste que celui de l'eau, les gars. Non, tout, mais pas ça. Non, pas l'eau, ça serait Shanks qui trahirait Luffy. Euh, non, non, éclaté. Non, ça serait éclaté. Ah ouais, vous trouvez que ça serait éclaté si l'eau il, il trahit Luffy Ou peut-être que l'eau il va donner sa vie pour Luffy avec son fruit de vie éternelle Je sais pas. Ça serait un peu logique s'il fait ça, s'il se tue pour Luffy. Désolé si ça prend un peu de temps, les gars. Le live, j'essaye de parler avec vous. On peut pas tout le temps parler. Ça vous dérange pas de parler de One Piece en général, pas faire que la Parce que j'aime bien avoir vos avis et tout, parce que. Comme je peux pas tout le temps parler de One Piece, je fais des lives un peu sur tout, il y en a qui s'en battent un peu les couilles, là sur le live je sais qu'il y a des gens qui kiffent One Piece. Je sais que vous kiffez tous One Piece, donc je me permets de parler un peu, ça vous dérange pas Après, Robin aussi elle a un passé triste, euh, elle a plein. <coughs> ok les gars. Euh, lui c'est le mec de l'équipage de Shanks euh, Je l'adore, lui je le trouve trop stylé, il a trop de flow. Je mets... Pff, on l'a pas assez vu, hein. c'est pareil, on l'a pas assez vu. On l'a pas assez vu hein. Ok, les gars, euh, on enchaîne avec. Bon, alors lui, moi, je pense que je vais le mettre dans cool de ouf. Vous êtes d'accord ou pas, le chat hein Cool de ouf. Ouais. En vrai, Luffy, voilà, hein, c'est le personnage principal. C'est cool. Voilà. Moi, j'ai pas envie de faire comme tout le monde à mettre dans gote Logique. En vrai, logique. On faut parler français. Les gars, Luffy, il mérite sa place en goutte. S'il vous plaît, dites-moi qu'il mérite sa place en goutte. S'il y en a qui me disent non. Et masterclass ou légende frérot c'est bon c'est l'esprit shonen à lui tout seul non il y en a ils disent légende il y en a ils disent le fil en légende non les gars c'est un gote le c'est un gote frérot il a fait trop de trucs pour tout le... là, là par contre si vous mettez euh, euh, le à la même place que Masterclass non le goutte ouais ok vous êtes d'accord avec moi c'est bon non naruto mieux <laughs> non les gars le goutte les gars le goutte Bien sûr, bien sûr. Ok, là lui c'est... Euh, comment il s'appelle C'est... Euh, le mec de Impel Down qui a le poison là. Magellan, si je dis pas de conneries, c'est Magellan. Euh, lui il était trop fort à Impel Down. Il, il a bien niqué le feu avec le poison. Euh, en vrai, cool de ouf. Parce qu'en vrai c'est quand même une merguez. Hein. Il a réussi à... Mec c'est le, le mec de la prison. Il a réussi à, à se faire niquer par des mecs de 19 ans. Euh, qui ont réussi à, à sauver, enfin euh, à sortir de la prison à 19 ans. Bon, cool de ouf, mais bon, fraude. <laughs> Magellan est trop fort, mais normalement personne sort de la prison. Hein. S'il aurait été trop fort, euh, euh, pff, en vrai, j'ai envie de le mettre bof. J'ai envie de le mettre bof parce que, en fait, j'ai envie de le mettre cool de ouf parce que, voilà, cool de ouf, bof parce que j'ai envie de le mettre bof parce que. Ils sont tous fuite de la prison au final. Donc, c'est qu'il a pas fait son taf. <laughs> en vrai de vrai. Il a aucune âme, Luffy. Sa personnalité éclatée. Mec, il y, y a un mec qui a écrit Luffy a aucune âme. Sa personnalité est éclatée. Pff, les gars, des fois, j'ai envie d'avoir du, du cérumen pour, pour les yeux. Des fois, j'ai envie d'avoir du des surhumaines dans, dans, dans les paupières faut, des fois faut que je, des fois, il me faut de l'eau franchement des fois vaut mieux vaut, vaut mieux pas avoir deux de, de yeux des fois il faut pas voir en fait je il prend son ban alors c'est un ban <rire> <rire> non je rigole je n'ai pas ban il y a tout le chat go le ban <laughs> non 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 mais les gars c'est frauduleux là son, ton avis est frauduleux mon ref qu'est-ce que tu me racontes je suis d'accord chacun ses goûts mais tu peux pas sortir des trucs comme ça <laughs> bannez le moi <laughs> tachi Merci, mon ref. <laughs> oh, les gars, Marco. Marco Masterclass. Marco Masterclass. Il a le droit à sa place, Masterclass, les gars. Je pense, Marco, on peut le mettre Masterclass. C'est quand même un des mecs de l'équipage de Barbe Blanche qui est venu... Je sais pas.. Attention, spoil. 1, 2, 3. Je spoil. Dans 1, 2, 3, il est venu à Wano aider le Donc en vrai, rien que pour ça... Quand même, un des seuls de l'équipage de, de Barbe Blanche qui est venu pour euh, la bonne cause, on va dire. Donc, euh, j'ai envie de le mettre Masterclass. Et c'est aussi, il a aussi euh, aidé Luffy et Ace euh, à Marineford. Donc, en vrai, j'ai envie de le mettre euh, Masterclass. Marco, Marco, Masterclass. J'aime bien Marco en plus. Euh, ok, Roger, on le garde. Barbe Noire, on le garde. Tous les persos un peu éclatés, les gars, je les mets à la fin. Comme ça, au moins. Euh, euh, attends. Hop, comme ça le live, euh, on va pas, ça va pas durer trop trop longtemps non plus pour ceux qui peuvent pas. Euh, ça, je mets ça là. Ace, on le met là. Euh, ensuite, il y en a d'autres. Ok, attendez, j'ai le chat qui a crash, le chat. Euh, Est-ce que vous me recevez le chat Est-ce que vous me recevez dans le chat Merci à ceux qui mettent des pouces bleus, ça fait plaisir, les gars. Merci beaucoup. Attends, hop, je mets ça là. Activité des spectateurs. Ok, c'est bon. Bro, les gars. Ok. Et bah ben c'est parti. Barbe noire, c'est son moment. Barbe noire. En vrai, Barbe Noire, euh, c'est légendaire. Hein. Barbe noire, c'est légende, je pense. Légende ou pas En vrai, c'est légende. En gros il était éclaté sa mère. Je sais plus, avant Skypea, je crois, on le voit. Il y a le de croire en ses rêves, machin. Pour qu'au final, ça soit, ça soit son ennemi à la fin. En vrai, légende. Hein, moi, je mettrais bien légende. Hein. C'est masterclass ou légende Je pense quand même qu'il mérite sa, sa, sa place en légende, par noire. Ton avis est désastreux. Ouais, après, les gars, chacun ses avis. Hein. Après, il a volé les pouvoirs. Lui, c'est une vraie fraude. Il a volé un, 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 un. Il a tué un de ses équipiers pour, euh, pour avoir un fruit. C'est soit fils de pute, soit légende. <laughs> en fait, c'est une légende. C'est un légende fils de pute, quoi. Après, on l'a pas vu énormément, tu vois, mais. Je pense que. Ah, Masterclass, limite légende. En fait, je pense qu'il se bat entre les deux, ouais. Parce que, quand même, il a tué Barbe, Il a. Ah, Parce que, est-ce que légende. Euh, il mérite sa place en légende, en mode. Il a fait un truc légendaire de ouf. Euh... Tu vois, il y a un mec que je mettrai tout de suite légende. C'est lui. Ils l'ont pas mis. Ils l'ont pas mis. Il est où Ils ont pas mis Corazon. Vous le voyez Corazon ou pas Et ils ont pas mis. Mais comment ça ils oublient Corazon C'est des fous. Ah oh ouais, carrément, ça l'oublie. Ah oh ouais, merde. Bah, j'allais mettre en légende pour un euh, il, a une, il a une carie, donc légende. <laughs> il a tué Ace. Euh, il a déclenché Marineford, attrapé Ace. A cause de lui, Ace est mort. Ouais, moi, je mets roi des fils de pute. Je pense c'est roi des fils de pute légende, quoi. Évidemment, il a participé à un. Pour moi, c'est classe, fils de pute. En vrai, c'est fils de pute. Il a fait trop de trucs. Fils de... En fait, c'est une légende des fils de pute. Fils de pute légendaire, en vrai, de vrai. FDP. Ad. En vrai, c'est. Goat. FDP. En vrai, les gars, c'est un chien. En vrai, c'est un chien, les gars. Le mec a tué un mec de, de l'équipage de barbe blanche pour avoir un fruit. Euh... Il... Le mec, c'est un chien. C'est un traître, c'est un traître en vrai Donc c'est God des fils de pute et Ils ont pas mis Miwoks Mais wesh, ils, ils mettent des persos éclatés Et ils mettent pas Corazon et Miwoks Wesh Non mais gros, c'est abusé ils, ils ont même pas mis Miwoks et Corazon Honteux Ok les gars, Moria <laughs> Est-ce qu'il y a des gens qui veulent contester Dans le chat est-ce que ça veut contester avec moi, avec Moria Est-ce que euh, Moria, il euh, y en a qui veut contester ou on est d'accord qu'on le met là On lui laisse sa place Bon, là va y avoir gros débat. Là va y avoir gros débat. Ça va peut-être m'insulter. C'est pas grave. Je prends les insultes de tous les côtés. Je veux bien prendre 10 couteaux à droite, à gauche, en haut, en bas. Sur le côté J'ai mal prononcé Miwoks Miwoks Miwok Ou je sais pas J'ai mal prononcé le faucon Oeil <laughs> de faucon Les gars j'ai mal prononcé Désolé Désolé Oeil de faucon <laughs> Ok Ça va m'insulter J'ai fait le choix J'ai fait le choix Merci Watashi j'ai, peut-être, y en a qui vont me dire c'est légende, hein. Mais je pense que si... Soit vous me dites frauduleux, soit vous me dites j'ai raison. Non, c'est surcoté. Surcoté. Merci Jérém. Merci mon ref pour ta donate. Oh le fou. Ah ouais, j'assume, j'assume. Abuse pas. Jamais. T'es fou. T'es fou. Non, logique. On est d'accord, c'est le Goth. Non, pas Oden en Goth. Légende. Validé. T'as raison, t'as raison, mais il y a Roger. Non, mais on laisse une place pour Roger. Il est fou, il, lui t'a fumé. Quoi Ok, c'est ton choix. Vous mettez pas Oden en goutte Le premier qui t'insulte, je le marave. Non, mais les gars. Comment ça vous mettez pas en, en goutte Attends, je crois qu'il y a une scène, je crois la plus légende, une des plus légendaires en scan que j'ai vu, la page du scan, quand Oden, il est comme ça, et il doit tenir une heure. Dans la lave. Je, je crois que. Dose. Oden aurait battu Kaido. Dose. 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 Il a fait quoi Mais frérot, il a sauvé. Il a essayé de sauver tout Wano, gros. À lui tout seul. Non, mec, il est monstrueux. T'as vu as vu ce qu'il faisait, frère Il a créé les, le, le truc des fourreaux. Il a sauvé. Je crois que c'était un, un truc dans, dans Wano. Il euh, y avait un petit village un peu sur le côté et tout. C'est lui qui a tout remis en place. Le mec. Le mec. T'as tout le monde qui est avec lui, ils allaient tous se faire tuer, il dit Tu les tues pas, mais en échange, je reste une heure dans un truc de lave Et je tiens tout le monde comme ça, frère Non, frérot, c'est un GOAT Et après, il a réussi le challenge Et Kaido lui met une balle dans la tête Ou je sais plus quoi, il le tue en tout cas <laughs> Non, pour moi, c'est GOAT, les gars, désolé Pour moi, c'est un de mes préférés, Oden C'est un de mes persos préférés Il a sauvé tout le monde, frère En fait, le perso en lui-même, c'est un GOAT même lui, c'est lui qui a, qui a aidé Roger à avoir le One Piece, frérot. Merci Raphaël, merci beaucoup pour ta donate. Merci Jérém. Ah frérot, après euh, t'es fou, c'est une légende et c'est un goat. Waouh, wow, en, vrai, en vrai, désolé les gars. Et même le sanglier géant, ah oui, c'est lui, lui qui avait foutu la merde, mais enculé, je crois. Il a enculé le sanglier géant. Non mais même pour moi, c'est pour moi le personnage en lui-même, il est trop bien ficelé, frérot. Roger qui va voir Barbe Blanche, il lui dit donne-moi Oden. Oden, il n'en a rien à foutre. Il va avec Roger. Non, c'est trop baisé. Moi je kiffe. Gote. Nami. Euh... Nami, Nami. En vrai, euh, Nami... Euh... Gronibar, hein Gronibar, allez. Gronibar. Ah merde, j'ai créé là, putain, fais chier. Oh non. Oh mais attends, je, je me suis gouré. Délète. Bon, pas grave. Pas grave, je, je, la mets dans, je la mets dans. En vrai. Cool de ouf, en vrai, Nami. Je la mets dans cool de ouf. Bon, dommage. dommage j'ai pas pu faire sa catégorie. <laughs> Nami, je la kiffe en vrai. Mais bon, après, je la mets dans cool. Cool de ouf. Ok les gars, euh, Roger, le chat, Roger, Roger, Goat. Pour moi en vrai on a la ligne des Goat. Hein. Pour moi on a la ligne des Goat. Est-ce que elle est frauduleuse ma ligne de Goat ou elle est respectable En vrai, euh, ah c'est Roger, normal que tu le mets en Goat. Après ici je vois pas qui d'autre peut aller en Goat. Je regarde. Ça se tape, ça, ça se tape, mais en vrai... En vrai, honnêtement, Roger, je le me mets en goutte. T'en penses quoi de Ener Ener, moi, c'est un perso de ouf pour moi. J'ai kiffé Ener. Thomas, il n'a pas eu de chance, Ener. Il est tombé contre le seul qui... le <laughs> fils, c'était le seul qui pouvait baiser Ener. <laughs> en vrai, Ener, j'en suis sûr, il est ultra fort. Fais la catégorie respectable. Catégorie respectable. Respectable. Ok, ça va, ça va, ça va. Ma catégorie est respectable. Ok. Ensuite, euh, Ace. Alors, c'est le moment où je vais me faire insulter. J'adore Ace, comme ça je vous le dis. J'adore le perso, j'adore Ace. Il y a rien à dire. Maintenant, on a oublié que Frérot, je vais vous expliquer, Luffy, il a retourné toute la Terre pour le sauver. Pour qu'au final il se fasse tuer à cause d'une provocation de merde de Akainu, et il s'est fait tuer pour nada. Ça veut dire, en fait, tout le monde est venu le sauver, et à la fin, il fait le con. Je sais pas si vous vous en rappelez, dans Marineford, c'est bon, il avait juste à s'enfuir, il avait juste à partir, Akainu, il l'insulte, il se retourne, et, et, et il se fait baiser, il meurt, le au bout de sa vie. Désolé, j'adore Ace. Mais pour moi, tout le monde dit, ouais, perso, de ouf, légendaire, machin. Mais. Je vais me faire taper, c'est le moment. Voilà, je vous donne mon cul, c'est bon, vous avez le droit de me taper. Vas-y, tapez-moi. Mais j'adore Ace, hein, moi je vais appeler mon chien Ace. <laughs> c'est bizarre de dire ça. Non mais, le prénom Ace et tout, j'ai bien, je vais le donner à mon chien. Mais Ace, j'adore le perso, mais je suis désolé, frérot. Gros, tout le monde bouge son cul pour le sauver. Il écoute un truc de Akaino, il se retourne, il se fait tuer, il se prend un, euh, un coup de poing dans le ventre. Frérot, il a sauvé le fil. Mais non, mais frérot, non, en vrai, en vrai, fréro, non, il avait juste à courir. Je te jure. En vrai, je suis d'accord. Mais non, il a voulu sauver le fil. Mais attends, ok, non, on met la scène. Allez, on va, on va mettre la scène parce que je suis pas d'accord en vrai. Je, je me rappelle quand j'ai regardé, je fais, Wesh, ouais, pourquoi il se retourne Je te jure, je vous jure, les gars. Il n'était il, il, il pas obligé de sauver Luffy comme ça Attends, faut juste que je trouve le bon câble de, Du bon PC Mais je, je sais pas où il est le, le Attends Je vais essayer de regarder la scène Mais en fait j'ai plus de, de connexion sur mon ordi Attends Je vais regarder la scène Sur euh, Youtube euh, Ace, sauvetage Luffy, je vais regarder la scène Parce que je peux pas le mettre là Ace, libération de Ace, 3 minutes je vais regarder si j'ai de la merde ou pas. Ça dégoûte ça. Mais après les gars, mais les gars, c'est une tirelisse de mes goûts. J'insulte tous ceux qui aiment Ace, je vous insulte pas les gars. Je, pas du tout, je, je, je t'en mieux, chacun ses goûts. Moi pour moi c'est dommage. En mode il a été trop buté, même frère, ta bar barbe blanche ou je sais plus si c'était Shanks ou barbe blanche, mais t'en as, il lui dit "Non, il va pas tout seul. Va pas affronter barbe noire." Il fait tête baissée, il y va, il affronte. Attends, je vais regarder à la fin quand il se barre et il y a Attends je regarde le, le passage pour voir si je me trompe. Attends. Attends, je vois pas. Le fils of Ace. One Piece Ace. Mais attends, comment je peux trouver la scène à la fin? T'as des goûts claqués. Mais ben non, mais les gars, c'est pas une histoire de goûts claqués. Attends, merde. Là, je vois quand il a cané. Attends. Mais en fait, j'aimerais bien revoir la scène, les gars. En fait, j'aimerais juste... Ok. Sacrifie. Ok, voilà. Oui, voilà. Bah, j'ai raison. J'ai raison. J'ai raison. Regarde. Regarde, les gars. Là, il y a Akeinu. Ah, mais vous voyez pas. Il y a Akeinu. Attends, je vais mettre là. Il y a Akeinu. Il insulte je sais plus qui. Luffy ou j'en sais rien. Et là... Il répond. Et regarde, le fil était tranquille, hein, il était prêt à se barrer. Et lui, il, re il retourne se combattre contre Akainu, frère. Regarde, il refait un combat contre Akainu. Il sert à rien ce combat, frère. Ils avaient juste à se casser, frère. On s'en bat les couilles. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire Et, euh, En fait, c'est juste la démarche. Mais je, je... les gars, j'ai jamais dit que Ace hey, était un perso claqué. Je vous dis juste que pour moi, c'est surcoté. Après, c'est mon avis, frère. La mort de Ace hey, c'est incroyable il dit qu'il peut pas s'enfuir un combat quand le fil est derrière. Frérot, le fil l'attendait, il était comme ça. T'as vu l'exprès Ils auraient pu se barrer, je suis sûr. C'est fait exprès. Ils vont l'expliquer dans les prochains épisodes. <coughs> non, mais en vrai, les gars. Ah oui, il a insulté euh, Barbe Blanche. Ouais, mais on s'en fout qu'il insulte. On s'en fout que qu nous il insulte Barbe Blanche. Ils auraient dû se barrer, frère. En vrai, euh, ah voilà, c'est ça. Frère, après, c'est mon avis, les gars. Je suis désolé si je peux pas avoir le même avis que tout le monde. <coughs> Il a insulté le padré. Ben oui, mais on s'en bat les couilles qu'il a insulté, frère. Tout le monde vient pour le sauver. Frérot, barre-toi, il y a 10 000 mecs. Frère, l -l -l barbe blanche, tout le monde, ils sont tous morts pour lui. Et il continue de se battre. Frérot, barre-toi. Après, je sais que c'est fait exprès dans l'histoire de, de One Piece. Mais pour moi, c'est comme ça. C'était son honneur qui était en jeu. Frérot, son honneur, est gros. En vrai, entre l'honneur et 10 000 mecs mec qui meurent pour lui. Alors à un moment, euh, vaut mieux se barrer, frère Gros, tout un arc Pour lui sauver le cul Et il se retourne pour qu'on qu l'encule Après, c'est mon avis, les gars Mais bien sûr, c'est dans l'histoire de One Piece C'est fait exprès, je sais euh, Je sais Oda a fait exprès euh, C'est le jeu, mais c'est juste Oui, ok, ça. Il est, il est trop bien le perso Mais voilà, bon, c'est bon Allez, on enchaîne sur un autre Bon, en vrai, les gars, il y en a beaucoup trop On va pas tout faire, sinon le live va durer deux heures Mais j'aimerais quand même qu'on classe celui-là celui-là, celui-là, et... Euh, qui on peut classer on, on va classer Sanji, Sabo, Robin, euh, et voilà. Ok les gars, Rayleigh, vous le mettez où Rayleigh ou Rayleigh, je ne sais plus, plus c'est quoi son blaze euh, Tu mérites la tête d'un fils de pute. Mais les gars, vous n'êtes vous êtes pas gentils. En vrai les gars sur Internet. Juste parce que j'ai mis sur côté euh, Ace, ça veut m'insulter. <laughs> les gars, soyez cool, ouais. j'ai insulté personne. Ok les gars, Raeli, on le met où euh, Alors moi, je le mets dans... Euh, je pense, que je le mettrais bien dans... Après, c'est quand même lui qui a entraîné Luffy pendant les deux ans de l'Ellipse. Je le mettrais bien dans, je pense, soit Masterclass, soit légende. C'est quand même une légende en vrai. Il faisait partie de l'équipage de barbe blanche. Je pense, les légende. Je pense, Riley, je le mets dans une, dans légende. Avec, en vrai, il a sauvé Luffy, en vrai. Sans, sans lui, il n'y a, y a pas de Luffy euh, après, arc, euh, machin. Attends, je le mets là. Ok. Ensuite, Zoro. Oh là là là. Zoro. Un de mes persos préférés. En fait, en fait, pour moi, la top. Dans le top 3 meilleures scènes de One Piece, il y a euh, Zoro qui. contre Kuma. C'était légendaire. Il y a aussi le combat contre, euh, contre Oeil de Faucon. Frérot, je. Attends. Moi, je le mets premier d'ici. Hein. Je le mets premier des légendes, Zoro. Je... En fait, j'aurais aimé mettre Goat mais je le mets premier des légendes. Premier des légendes, Zoro. Il mérite sa place en premier des légendes. Mais pour moi, pour, est-ce que vous pensez Zoro il va mourir euh, Parce que pour moi il y a un, un membre de l'équipage qui va mourir, c'est sûr, avant la fin de One Piece. Est-ce que Oda il serait capable de tuer Zoro à votre avis dans le chat Est-ce que vous pensez que Oda il serait capable de tuer Zoro C'est ça, c'est avec mes potes, je me demande toujours la question. Ouais, est-ce que tu penses que Oda il va tuer Zoro, machin, machin Mets-le dans la catégorie perdu. <laughs> je vais lui faire une catégorie. Euh... Non, non, il mérite son, son premier des légendes, frère. En vrai, moi, je pense que Oda serait capable de tuer Zoro. Non, jamais Zoro. Moi, je pense. Euh... Non, pas Zoro. Pas impossible que Oda. Non, jamais de la vie. Ouais, grave possible. Usopp, peut-être aussi, peut-être peut tuer Usopp. En vrai j'aimerais pas que The il meurt Non il va tuer Usopp Ah il y a des gens qui disent qu'il va tuer Usopp Ok les gars Shanks Ouh. Ouh, lo, 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 lo. Les gars il y a un film sur Shanks Qui va sortir en avril Je sais pas si ça va être sur Shanks Ou on verra Shanks Merci Nir, non pas pour l'instant, merci Jeffrey Merci mon ref, Shanks je pense On n'a pas assez vu mais on peut déjà le mettre dans légende. Je pense en tout cas moi Shanks euh... mais quelle prestance quelle prestance. Sanji vous pensez-vous que c'est Sanji qui va mourir En vrai Shanks moi je le mettrais bien dans légende les gars. Shanks, vous en pensez quoi <coughs> Moi je pense que le rouge le met dans légende. Légende. Moi direct en vrai Shanks mais Shanks j'ai hâte de voir. En fait, j'ai hâte de voir Shanks. J'ai hâte de voir Shanks, en fait. Attends, je le mets là. J'ai hâte de voir si déjà, il y en a qui disent que Shanks avait pas de fruit du démon avant de rencontrer Luffy. Après, il en a eu un. Euh, Est-ce que Shanks, pour vous, il a un fruit du démon Merci, Jeffrey, pour ton sub. Frérot, il a trop de charisme, Shanks. Mais aussi, à la rêverie, il y en a qui disent qu'il a le Luffy. Moi, pour moi, il a poucave Barbe Noire. Enfin, pour moi, il est à. Il allait voir le, les mecs du gouvernement. Et il a dit, ouais, machin, barbe noire, faut s'en méfier ou j'en sais rien. Mais j'espère qu'il n'a pas poucaf Luffy. Il y en a, dit, il va le Luffy. Imagine, Shanks, il est fort juste avec le Haki. Oh, 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 comment c'est monstrueux. <coughs> Jamais il a un fruit. Non, il n'en a pas, c'est officiel. Il a donné son bras pour Luffy. Full Haki. Oh, mais je crois, à la limite, que c'est tout son équipage qui est en full Haki à Shanks. <laughs> oh les gars j'ai trop hâte de voir Oh j'ai trop hâte de voir Mec son équipage il en a aucun qui a des fruits du démon je pense Shanks sera le vrai méchant final Wesh toi tu penses que Shanks ça sera le vrai méchant final Non vous savez moi ma scène de rêve que ça serait Vous me dites si c'est dard ou si c'est claqué Ok je vous dis mon pronostic Je sais pas comment ça peut se passer Mais Shanks se bat contre barbe, bleu barbe Noire Shanks est à moitié par terre presque mort Luffy débarque, il prend son chapeau, il le pose sur le torse, torse de chance et il encule barbe noire. Est-ce que la scène n'est pas incroyable? Mec, la scène est pour moi elle est incroyable. S'il y a une scène comme ça, c'est trop baiser. Quand il lui rend son chapeau comme ça. claqué Non, claqué <laughs> Jure, moi je l'ai trouvé ça stylé. En mode, il pose le chapeau et il encule barbe noire. Imagine avec la musique et tout. Ça serait trop stylé, non Teach va tuer Shanks. Non, pour moi, les gars, le, le, le combat final, ça sera Luffy contre, contre Barbe Noire. Pas Luffy contre Shanks. Vrai banger. En vrai, les gars, c'est banger. En mode, imagine. Moi, je ne vous parle pas du scénario final de One Piece. Juste, juste, t'imagines la musique. T'imagines la musique. Luffy en mode ultra vénère, comme qu'on allait mettre la patate au Teddy Rebuto. Il prend son chapeau, il pose sur Shanks et il encule sa race. Ça serait incroyable. Je kifferais. Hein. Shanks, peut-être un méchant final. T'as, il y en a plein, que... Moi, je pense pas que Shanks c'est un méchant final. Je pense pas que Shanks c'est un méchant final. Les gars, ça, il aurait pas fait tout ça. Avec... Il aurait pas donné son bras pour Luffy. Ça m'étonnerait. Ça serait trop prévisible. Jamais Oda fera ça. Ouais, je sais pas. Il y a plein de théories sur Shanks, les gars. Il y a plein de théories sur Shanks. Je vais en regarder un peu des théories sur Shanks. Ouais, les bien. Barbe Noire tuera Shanks, puis Luffy le vengera. Mm. Peut-être, hein, on ne sait pas. Luffy contre Zoro Non. Luffy contre Kid Non. Moi, je pense que le combat final, c'est Luffy contre Barbe Noire. C'est obligé. Ils ont fait tout en sorte que Barbe Noire, euh, ça soit le méchant final. Je pense. Euh, ok. On enchaîne, les gars euh, Sanji. Oh là là. Alors, Sanji, je vous, je vous mets juste... Je vous dis juste pourquoi je... En fait, à Wall Cake, il m'avait saoulé. Mais en fait, j'avais pas compris euh, le perso. Et en fait... C'est une légende. Déjà son passé, il est monstrueux. Et en fait, même l'esprit le, du cuisinier, quand il mourait de faim sur l'île avec euh, le mec euh, des barachi là, ensuite son passé dans la prison, frérot, pour moi et même avec Ener, c'est une scène qui date de Taréouf, ouf. Mais avec Ener sur le bateau, sur le bateau d'Ener quand il avait sa clope là et quand il protège Nami et Usopp, je crois. Légende. Rien pour cette scène, c'est une légende. Sanji incroyable. Attends, je le mets là-haut. Non, Sanji, incroyable, les gars. Sanji, incroyable. Légende. Vous préférez qui, vous, Sanji ou, ou, ou Zoro, les gars? Sanji, sous-côté. Ouais, en vrai, Sanji. Tu sais quoi? Sanji. Sanji, moi, je, je mettrais bien une casse sous-côté. Vous en pensez quoi? Est-ce que je mets casse sous-côté? Parce que c'est vrai que Sanji, on n'en parle pas beaucoup, mais c'est quand même, en fait, il est un peu dans l'ombre de Zoro, j'ai l'impression. Mais Sanji, c'est quand même, euh, un crack, hein. Je mettrais bien sous-côté. C'est un bon de ouf Sanji. Rien que pour la scène sur le bateau d'Ener Elle est masterclass Je me rappelle pas, ça fait longtemps Mais je sais qu'il il, il y avait une dinguerie Mais Zoro mieux Sanji large Ah et ça se bat quand même dans les commentaires entre Sanji et Zoro Merci Jeffrey, merci mon BG Sanji, Sanji, Zoro Est-ce qu'on fait une casse sous-côté pour Sanji Sans que je vais être Luffy devant le OP Il rend son chapeau Non je pense pas en vrai Sanji il me dégoûte depuis World Cake. Ouais, mais il faut comprendre son passé aussi. Incroyable. De toute façon, le fils doit redonner son chapeau. Non, il n'est pas sous-côté. Ok, bah on, on le laisse en légende. <coughs> on le laisse en légende. Ok. Sabo. Il euh, y a qui d'autre que dans là on peut mettre C'est qui lui là Dans l'ombre. Ah, je crois que c'est la meuf de Chopper. Je crois que c'est la meuf de Chopper. Ok. Je vais mettre ça là. Yamato. C'est qui ça Je sais pas c'est qui. En vrai, eux, on s'en bat les couilles en vrai. On s'en bat les couilles. Ok les gars, lui, c'est Sangoku, je crois. Je, je, je crois si je me gourre pas, si je dis pas de conneries. Euh, lui, je le mets où En vrai les gars, lui, j'ai pas trop d'avis de ouf en vrai. Hein. Lui, j'ai vu son fruit, il est surpuissant. Ça fait un mec en or géant là, avec les mains partout. Euh, C'est un mec de la marine. En vrai, lui, je l'aime bien en vrai. J'ai envie de le mettre masterclass, mais... J'ai envie de le mettre masterclass en vrai. Non Masterclass ou pas les gars En vrai, moi je l'aime bien, lui. Je mettrais bien hein, masterclass. Je pense non. Masterclass. Pas assez vu en vrai. Zone mythique. Il a, un fond, il a un fruit trop fort. Cool de ouf. Ouais, cool de ouf ou Masterclass, ouais. Ouais, 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 ouais. Je pense cool de ouf en vrai. Euh, lui c'est qui là, le mec là Je l'ai vu là sur TikTok, il y a des gens, ils disent des trucs. Je sais pas c'est qui lui est-ce que c'est lui que Zebec là Le mec des Rocks. C'est lui ou pas Parce que du coup, lui, on l'a pas assez vu en vrai. Yamato, mec, Yamato, je la kiffe. Euh, je le kiffe ou je la kiffe Parce que on dirait une meuf, mais euh, je crois que c'est euh, Je crois qu'elle veut être euh, comme euh, Oden. Donc euh, elle se considère comme un mec. Du coup, on, on la met où On le met ou on le... On, je sais pas, je mets il ou elle, mais on le met où Ou on la met où On la met où Yamato Yamato. En vrai, Yamato. Bro, oh, elle, elle, quand même, Yamato, elle est des couilles. Elle va affronter son daron qui est empereur. Elle en a rien à foutre. Rox des Herbeck. Des Sebeck. Des ok, bah lui, je, je l'ai pas beaucoup vu. Merci Jordan. Ouais, c'est une meuf. C'est une meuf, mais dans sa tête, c'est un mec parce qu'elle veut être comme Oden. Ouais, moi j'ai bien envie de la mettre euh, Masterclass ou, ou dans les coul de ouf en vrai. <coughs> je pense que Yamato elle, elle peut être dans Masterclass. En plus, elle veut rejoindre l'équipage de Luffy, je crois. <laughs> en vrai, moi j'aime bien. J'aime bien Yamato. Ah merde, je vais la mettre là. Euh, et bah ben, ensuite, on a Sabo. Ouais, Sabo, putain, Sabo. Sabo il mérite tellement sa place dans les jambes. Sabo, il a rien à dire frérot. Sabo. Sabot les gars, moi quand j'étais euh, à, à Dressrosa et que je l'ai vu arriver, j'ai pété mon crâne. J'ai pété mon crâne. Je dis, putain, il est encore là, Sabot Quel crack En plus, il reprend le fruit de Ace. Magnifique. Merci Zach. Merci mon ref. Merci beaucoup mon frérot. Euh. Robin. Robin, allez, cou cou ah, en vrai, elle a un. Moi, honnêtement, Enies Lobby, c'est un de mes arcs préférés. Donc. Euh... Et, et le passé de Robin, j'ai surkiffé. Donc, j'ai envie de la mettre Masterclass Robin. J'ai envie de ouf de la mettre Masterclass. Et même, celle qui déchiffre les, les phénoglyphes. Euh, moi, j'ai envie de la mettre euh, Masterclass Robin. Comme ça, je, on va pas perdre trop de temps. Sinon, les gars, euh, le live, il va, il va durer 10 heures. Les autres, on s'en bat les couilles. Euh, comme ça, on ne prend pas 10 ans. Et voilà. Bon, bah, les gars, je pense qu'on a fini notre tier euh, Le chat. Est-ce que euh, vous vous en pensez quoi En vrai, honnêtement les gars, faites pas les faites pas les les énerver juste pour un truc que j'ai mal mis. Dites-moi si ça va. En vrai, ça c'est mes avis à moi. Pour moi euh, les quatre gouttes qui sont en haut, euh, les gens de masterclass, coupe de ouf, machin, on aurait peut-être pu faire plus de 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 catégories. pénoglyphes <laughs> Phénoglyphe, phénoglyphe. <laughs> Phéno quoi <laughs> Bah, ben ça se dit comment Phenoglyph ou phénoglyph <laughs> Zoro dans Goth et Taterly, c'est incroyable. Ah, Luchi Ouais, wow, Lucci frérot. Euh, le combat Luchi euh, contre, euh, contre Luffy était incroyable. Mais euh, est-ce que je lui mets Masterclass, euh, Luchi, gros Rob Luchi, on l'a vu co euh, une euh, machin, tu vois. Il s'est battu contre, euh, contre Luffy. Je sais pas si où je le mets. <coughs> On verra après au pire. Bon en vrai les gars. Vous en pensez quoi sur 10 Mettez Materlis sur 10. Merci beaucoup Rose. Merci beaucoup. Ça fait plaisir. <laughs> pas mal dans l'ensemble. Poneglyph. Ah voilà est <laughs> Maintenant il est au CPO. CP0. Le mec random qui demande où est le OP. Merci mon ref. T'aimes Eniès Lobis et tu l'oublies. Ouais, parce que euh, j'aime tout l'arc Eniès Lobis, mais pas forcément euh, le perso euh, Luchi, quoi. C'est pas forcément un perso que je kiffe de ouf dans t'as Lobis. Le combat était incroyable. C'est un de mes combats préférés, mais c'est pas. Euh 7, 8, 7,5. 5 sur 10. 1, 7 sur 10. 8 sur 10. En vrai, on peut pas tous avoir les mêmes goûts, les gars. Chacun ses goûts, chacun ses avis. Je suis d'accord. Euh, j'espère, en tout cas, que vous avez kiffé. J'espère que c'était un bon moment. Je suis dé dégoûté qu'il n'y ait pas Corazon. Euh, je sais pas si on peut l'écrire. Euh, merde. J'aimerais bien mettre dans les de Corazon, mais on peut pas. Je vais écrire, entre parenthèses. Corazon. Et. Un enfin, Corazon. Et ici, je mets Miro de faux <laughs> Ok, c'est carré. Bon bah les gars, euh, chacun son avis. C'était cool. Est-ce que le live vous a plu le chat Est-ce qu'en vrai le live vous a plu? Tier respectable. Merci beaucoup, ça fait plaisir. J'espère que je vous ai pas trop enfoncé. Euh, mmh. Merci en tout cas à tous ceux qui ont regardé. Zéro, pull la l'air, plus la merde. C'est pas grave, mon ref, t'inquiète. Euh, les BG, j'espère que vous avez bien kiffé. Euh, vous avez passé un bon moment. Moi, j'ai bien kiffé, en tout cas, j'ai passé un bon moment. Euh, ça m'a fait plaisir de parler un peu de One Piece avec vous et tout, sur vos théories, etc. Juste avant de couper le live, j'ai envie de parler des derniers scans avec vous. Euh, pour tous ceux qui veulent rester, passe, faites attention, il va y avoir du spoil. Donc, je préfère pas trop le dire maintenant. J'attends que, que je finisse de faire mon outro. Merci à tous ceux qui ont regardé le live, ça m'a fait super plaisir. Passez tous une bonne soirée. J'ai kiffé de ouf. Vous êtes tous des cracks. Merci à ceux qui sont abonnés à la chaîne, comme il pousse bleu, etc. Best-of sur la chaîne secondaire la semaine prochaine. Et, euh, et Enfin, non, demain, sur la chaîne secondaire, best-of. Et euh, voilà, voilà. Les petits refs. Euh, demain, j'ai oublié que j'avais un tournage à, à 6h30 du matin. Je dois me lever. Du coup, c'est pour ça, euh, je ne vais pas continuer après. On fera un autre live. vous inquiétez pas, mercredi ou, ou samedi, un truc de un, un, un petit truc comme ça. Samedi, live 24h, n'oubliez pas. Juste, avant je coupe le live Je parle avec ceux qui ont regardé euh, les derniers scans 1, 2, 3 Je vais spoil dans 3, 2, 1 Les gars incroyable Incroyable les derniers scans Moi je lisais pas les scans les gars avant Je lisais pas les scans euh, J'avais jamais lu les scans de One Piece Et la tête d'homme C'est trop lourd de lire les scans Et frérot j'ai trop hâte de voir en animé Le combat euh, Zoro euh, contre euh, l'autre là, je sais plus comment il s'appelle là. Vous l'avez vu dans, on l'avait mis dans la dans la, dans la tier -list. King Zoro contre King, j'ai trop hâte de voir. Et frérot Luffy, la transformation trop baisée les gars. J'essaye de pas trop parler et tout, je dis rien, mais en tout cas euh, incroyable, incroyable l'histoire du du film, enfin euh, du 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 fruit de Luffy, euh, toute l'histoire, le mystère et tout là là. On en sait un peu plus sur son fruit. Mec, incroyable. j'ai En fait, j'ai envie de voir en animé. J'ai envie de voir le son avec le bruit des tambours et tout. Oh là ça fait trop baiser. Mais moi, j'espère juste un truc. J'espère que vous allez d'accord avec moi. J'ai tout sauf envie que là, le Luffy, il ait eu son. Voilà, on sait tout ce qu'il a. Et que là, il nique Kaido. Là, en vrai. J'aurais trop le seum que Oh il a eu son power up machin Il nique Kaido Wano c'est fini Ça finit bien Tout le monde est content Et on enchaîne sur un autre arc Là moi j'ai envie que ça parte en couille Limite il y a Barbe Noire Il arrive dans le combat Ça part en couille euh, Il se passe un truc Ou sinon il y a Zoro Sanji Luffy Il se tape à 3 contre Kaido Ou j'en sais rien Mais j'ai pas envie que ça soit trop facile En mode oh, Allez hop j'ai niqué un empereur J'ai niqué Kaido euh, euh, en deux secondes euh, Bon ok je me suis fait niquer trois fois Mais bon j'ai eu euh, mon power up Donc je nique Kaido J'aurais trop le seum J'aurais trop le seum il... Kaido il, en... il se fasse enculer En mode je me, je me serais dit Ouais moi j'ai envie que ça parte en couille là En mode j'ai envie que là ça soit comme Marineford En mode là c'est le début Et là après ça part en cacahuète sa mère T'abuses Normalement il va défoncer Kaido Ça va être compliqué Faut que Kaido soit capable de faire du sale Il va enculer Kaido ma gueule moi, moi en fait j'espère juste, ça va pas être. Il en plus le Kaido, le chapitre il est fini, tout le monde est content, trop bien, euh, Wano est de retour, tout ça. Euh, et voilà, on va découvrir une autre île, euh, une nouvelle aventure. Là faut que ça parte en couille. Là on arrive sur la fin, faut que ça parte en couille. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je pense qu'Oda a dit que là on arrivait sur la fin et que ça allait être un peu comme Marineford, euh, ça allait être limite mieux je crois, qu'il y a des trucs comme ça qu'on a dit. Non, jamais Kaido il fait le poids contre Luffy euh, comme ça. En gros il a perdu trois fois, il est mort. Il bat Kaido et ça enchaîne sur le dernier arc de One Piece. Frérot, tu te rends compte? Il bat Kaido, c'est-à-dire il bat un empereur à 5. À Kaido il coûte combien 4 milliards de berries, frère? Et mec, Kaido, c'est le mec le plus fort du truc. C'est-à-dire que Luffy, en fait, ce serait le mec, un des mecs les plus forts. En vrai, il... moi, si ça part en couille. Et que limite, ça, se, ça se tape bien contre Kaido, mais il n'y a pas de résultat final. Ou j'en sais rien. Ouais, en fait, j'ai juste pas envie que le finit Kaido et on enchaîne sur une autre île et machin. Et voilà, ça passe comme ça. <coughs> barbe Noire arrive. Mec, si Barbe Noire, il arrive à la fin du combat ou un truc comme ça, là, c'est trop baiser Ça serait incroyable. Il y a un truc avec le gouvernement. Ouais, même avec le gouvernement et tout, faut qu'il se passe un truc. Si il bat Kaido, on, on va peut-être voir Shanks. Ouais. On va voir comment ça se passe. En tout cas, euh, moi je vais suivre les scans, les gars. Euh, J'espère que vous avez kiffé le live. Merci à tous ceux euh, les... qui kiffent One Piece d'en parler avec moi, ça fait plaisir. Euh, moi j'adore les gars l'animé et tout. Après euh, voilà, c est, c est... je regarde pas depuis longtemps. Je ne vais pas faire genre euh, ouais je suis un pro One Piece machin. Euh, ça fait un an et demi. Euh, par contre je suis à l'affût, je kiffe. Euh, donc voilà. J'espère en tout cas vous avez kiffé, que j'étais pas trop largué, qu'on a pu parler ensemble des petites théories des machins. Les gars passez tous une bonne soirée. Merci, ça m'a fait grave plaisir de parler de ça avec vous, d'être en live avec vous, euh, parler animé en mode rien à foutre tranquille sur la chaîne et tout. J'espère que vous avez kiffé, malgré quelques choix frauduleux que j'ai pu faire. En tout cas, j'espère que vous avez vraiment kiffé. Euh, et voilà, je vous souhaite tous bon courage pour les cours, les gars. Euh, encore un petit effort, allez tout sur le live. Merci beaucoup, euh, Raphaël. J'espère que vous avez kiffé le live. J'espère que vous avez euh, passé un bon moment avec moi. Bon courage pour les cours demain. Reposez-vous bien, les gars. Vous êtes des cracks. Un maximum de cœur dans le chat, de pouces bleus. Merci à ceux qui s'abonnent, qui mettent la cloche.